Magnéto, c'est énorme, c'est énorme, je ne crois pas, tout le monde en parle. France d'en haut, France d'en bas. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui nous fait coucher tard. Avec nous ce soir, le juge Steele pour son livre événement. Pierre Perret, nouveau CD, nouveau Dico. Omar Koubnibiev, enfin un Tchétchène à la télé. Anna Politkovskaya, elle est déchargée des négos avec les preneurs d'otages de Moscou. Mikhaïl Youn, le retour sur scène. Yagel Didier, pour ses conversations avec Marie-Antoinette. Maître Vergès, le salaud lumineux, en remet une couche. Laurent Ruquier et Isabelle Mergault, pour leur succès au théâtre. Sophie Elise Bextor, la nouvelle star des Dance Floor, plus le blind test consacré ce soir à la musique orientale. Voici maintenant un florilège des meilleurs moments de l'émission précédente. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé et c'est préparé par monsieur Jean-Hugues Noël. Magnéto, Serge. Le FBI soupçonne votre fils d'être l'auteur des messages terroristes trouvés dans les toilettes. C'est à peine croyable. C'est totalement fou. Alors, vous lui dites, est-ce que c'est toi qui as fait le coup? Tout à fait. Et là, il vous répond? Non. Et le prochain film, donc je serai un policier. Sans rôle de composition, cette fois. Dites-moi, tous les deux, là, vous auriez quand même pu finir comme ça, d'une certaine façon. Samy, on le sait, on l'a dit ici, t'as fait de la tôle à 22 ans, 3 ans et demi, il faisait chauffeur de hold-up. C'était con. Bibi, pareil, il paraît que vous avez eu votre vocation pour l'écriture à la prison de la santé, c'est vrai? Oh, c'est ce qu'on dit, mais bon, je sais pas. Est-ce que vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, signer ce cadre qui est à moi? Picasso, marquez Picasso, je m'arrangerai. Mais écrire à l'envers, ça va être dur, hein? Voilà, vous mettez Picasso, voilà. P-I-C-A, voilà, il est pour moi. C'est quoi ton vrai prénom? Saïd. Saïd, et toi? Moi, c'est Larbi. Ouais. Ouais, ça veut dire l'arabe. Bibi, ouais. L'arabe, quand tu cherches du boulot puis que tu t'appelles l'arabe. Bon, aujourd'hui, ça va, hein? Ça va c'est mieux. Tendance. Ça va mieux. J'ai une anecdote comme ça. Mon père écrivait très mal le français. Et un jour, il me téléphone, il me dit. Viens vite, je suis à Auchan, il faut que tu me remplisses le chèque. Et j'arrive, je savais pas remplir le chèque moi-même. Ouais. Il me dit, alors pourquoi tu vas à l'école? T'es con ou quoi? Les Anglais, ils disent globalisation. Ouais. Les Portugais, les Espagnols ont des mots plutôt autour de la globalisation. Mondialisation, chez nous, c'est devenu banal. Ouais. Notre problème, comme si notre problème serait le monde. Mais c'est pas le monde notre problème. Parce qu'il faut, au contraire, le monde est notre avenir. Qu'est-ce que tu veux dire, Bibi? Non, il dit qu'il est vachement intelligent. Bah, le mec, il dirige le monde. Alors donc, le numéro 1 du top 50 des acteurs français, c'est qui? Samy, allez. Samy Nasseri. Escroc. Dernière question, numéro 1 au top 50 des présentateurs de Tout le monde en parle. Quand on prend le droit international, Elie Bardavi, ça a été souligné actuellement aux Nations Unies. 16 résolutions n'ont pas été respectées par l'Irak. 28 résolutions du Conseil de sécurité depuis 1967 n'ont pas été respectées par Israël.
C'est, Sharon est un criminel de guerre, comme Papon. Et il y en a... Non, mais encore une insulte. Mais ce n'est encore pas une insulte. Et où ce vous n'est pas partez, une insulte. Mais je ne veux même pas... Non, non, attendez. Non, attendez. Vous n'êtes pas nous discutons. Nous discutons. Nous ne discutons pas avec les insultes. Vous savez que les Belges sont... Nous ne discutons pas avec les Noirs. Si Israël avait le courage de remettre en question le pouvoir de Sharon, eh bien ça irait beaucoup mieux. Si vous êtes aussi bon romancier que commentateur de Problèmes du Proche-Orient, vos lecteurs sont mal barrés. Chouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un rayon de soleil après ces conversations très sérieuses que nous venons d'avoir. Alors... Faites-vous dire un truc très sérieusement, Chouchi, les yeux dans les yeux. Je me fous de votre film, mais j'avais très envie de vous rencontrer. Voilà, c'était Tout le monde en a parlé. Le best-of préparé par monsieur Jean-Yves Noël, mesdames, messieurs. Voici maintenant l'auteur du livre événement du moment. Voici le juge Till. Vous êtes né à Metz en 1948. Vous avez intégré l'École nationale de magistrature en 1976. Premier poste de juge d'instruction à Nancy en 1978, affecté à la section antiterroriste depuis 1995, et vous publiez Gilbert Till avec Daniel Carton, qui a été 10 ans journaliste politique au Monde et qui est actuellement grand reporter au Nouvel Obs, un bouquin qui s'appelle « On ne réveille pas un juge qui dort » chez Fayard. Alors c'est un témoignage rarissime puisque un des grands juges de la lutte antiterroriste, l'un des hommes les mieux informés du pays, évoque les grandes affaires de ces dernières années, Simone Weber, Guy Georges, les dossiers basques, bretons, corses et l'enquête évidemment sur le meurtre du préfet Erignac, plus les réseaux islamistes implantés en France. C'est une mine de révélations et d'anecdotes, mais vous n'avez pas un devoir de réserve ? Si, j'ai un devoir de réserve, tout à fait. Et outre le devoir de réserve, je suis tenu également au secret de l'instruction. C'est pour cela que sur les affaires en cours, qui ne sont pas jugées, je ne me suis pas épanché, sauf à évoquer des choses qui étaient déjà tombées dans le domaine public. Quant à l'obligation de réserve, elle fait interdiction à un fonctionnaire de l'État, à un agent de l'État, car les magistrats ne sont pas exactement des fonctionnaires, de ne pas compromettre par leurs écrits, par leurs paroles, par leurs publications, la forme républicaine de l'État. Je ne pense pas l'avoir fait. Vous avez eu des réactions de votre hiérarchie, Gilbert Till ? Non, absolument aucune, mais enfin, le livre vient seulement de sortir. Alors, on va voir, Gilbert Till, ce qui vous énerve. Alors d'abord, le manque de moyens de la justice. Il y a moins de magistrats, dites-vous, aujourd'hui qu'en 1914, et pourtant le domaine de la justice s'est formidablement étendu, c'est incroyable. Oui, il y en a à peu près autant à l'heure actuelle qu'en 1914, mais il y en a moins qu'en 1837, à l'époque où le pays comptait 38 millions d'habitants, on est 60 millions, ouais. Et où c'était l'époque d'une France très rurale. Ouais. Alors il y a 7 000 magistrats en France, 18 000 en Angleterre. Oui, ouais. Et 22 000 en Allemagne. Ouais. Oui, pays d'importance équivalente. Enfin, en Allemagne, il y avait la réunification, l'ancienne RFA. Alors, la brigade antiterroriste, vous êtes combien ? Nous sommes 4. 4 pour tous les terroristes ? Oui. C'est oui. Inquiétant, ça. Mais je vous rassure tout de suite, Thierry Ardisson, on va bénéficier d'une substantielle augmentation de l'ordre de 25%, puisque nous devrions être 5 à partir de la fin de l'année. Dites-moi. C'est super. C'est super inquiétant, en fait, non ? Il faudrait, sérieusement, pour que ça soit bien, parce que j'imagine bien qu'il faut un petit peu centraliser, vous ne pouvez pas être 50 non plus. C'est indispensable. Ouais, c'est indispensable. Enfin, pour que ça soit bien, il faudrait être combien ?
Oh, je pense que là, on a peut-être enclenché un système qu'on ne peut pas intégrer non plus du jour au lendemain, comme dans toutes les institutions. Je rappelle que j'étais le 4e juge d'instruction. Ouais, j'ai été nommé en 1995 après l'attentat de Saint-Michel. Auparavant, ils étaient 3. Et ils devaient faire face à 3 aux contentieux de l'islamisme radical, aux séparatismes nationaux, corses, basques, résiduellement bretons, aux atteintes à la sûreté de l'État. Ouais. Vous avez combien de dossiers, vous, par exemple, en ce moment à traiter ? Là, je dois en avoir entre 40 et 50, mais un dossier comme l'affaire de l'ARB que je viens de renvoyer, C'est les Bretons, c'est 82 tomes cartonnés de 10 à 15 cm d'épaisseur chacun. L'affaire Erignac, les affaires des réseaux islamistes, c'est 80, 100 dossiers. Vous gagnez combien par mois ? 35 000 francs. Tout imposable, tout déclaré, sans aucune prime, pas de fonds secrets, rien. Il y a 4 mecs à 35 000 balles contre tous les terroristes du monde. Je pense qu'on a des raisons de se méfier quand même. Alors, ce qui vous énerve aussi, Gilbert Thiel, c'est le relâchement du système judiciaire, les libérations conditionnelles. C'est la réduction de peine, parce que d'abord, ces réductions de peine étaient données à des prisonniers qui s'étaient bien comportés. Et puis, petit à petit, comme ça, même les dissipés l'ont eu, et même les violents, de façon à avoir la paix dans les prisons. Oui, ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on met les mecs en liberté pour avoir la paix dans les prisons. C'est pas qu'on les mette en liberté, mais on leur accorde les remises de peine de 3 mois par an pour éviter des troubles à l'intérieur des... C'est la démonstration que tout système, avec les meilleures intentions du monde, des effets parfois très pervers qu'on n'a pas perçus au début. Les amnisties aussi, ça vous choque énormément, parce que vous dites, en fait, quand on amnistie un mec du FLNC, par exemple, dès qu'il sort, il retourne dans le FLNC. Il retourne au front, c'est l'expression que j'ai employée. Il y a eu 3 amnisties en matière de terrorisme corse. Il y en a une en 1981, une autre en 1982, au moment des votes des lois de décentralisation. Et il y en a une en 1988. Comme le problème n'était pas réglé, les activistes sont retournés à leurs occupations traditionnelles d'activistes. Ben oui. Et la police s'est mise une nouvelle fois à les rechercher, à essayer de les confondre. Ça semble logique. Alors, ce qui vous énerve beaucoup, c'est la gauche caviar. Vous appelez ça le club de la closerie des Lilas, du nom de ce restaurant parisien, boulevard du Montparnasse. Vous lui reprochez son autisme, son dogmatisme et surtout la gêne. Vous dites, quand la violence vient de là où on ne voudrait pas qu'elle vienne. On ne peut pas nier les problèmes, et déjà en 1981, la gauche, que vous appelez caviar, mais enfin une certaine conception de la gauche, niait le problème en disant que l'insécurité était davantage un sentiment qu'une réalité. Regardons en face, 20 ans après, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ils sont énormes. Et si justement on ne veut pas, comme dans le domaine politique, que le balancier revienne de manière trop importante de l'autre côté, il serait peut-être temps de s'attaquer aux racines du problème. Alors, ce qui vous énerve aussi... Continuez, je sais que je ne vous ferai pas changer. C'est la Ligue des droits de l'homme, parce qu'elle pousse, dites-vous, des cris d'orfraie quand des tueurs en série écopent de la perpétuité. Et vous dites, mais le premier des droits de l'homme n'est-il pas de pouvoir rester en vie ? Oui. Ce qui m'énerve parfois, je concède, dans le discours de certaines fédérations internationales des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas le discours en soi. Il est noble, il est généreux. Mais je suis quand même obligé de constater à propos des débats qui concernent par exemple le fichier génétique, qu'on a un peu l'impression que parfois la Ligue des droits de l'homme est surtout préoccupée par la Ligue des droits de l'homme aux prises avec l'appareil judiciaire. On n'entend pas tellement s'exprimer lorsque d'autres choses particulièrement atroces se produisent. Je vais vous citer un exemple en revenant dans le domaine du terrorisme. Il y a 2 ans à peu près, ou 2 ans et demi, un couple de Bretons qui s'était installé en Corse a dû repartir parce que leur bien qu'ils venaient d'acquérir avait été plastiqué. Et le FLNC a revendiqué cet attentat par explosif en disant que c'était normal que le Front de Libération Nationale de la Corse s'en prenait aux halogènes. Ouais. Les halogènes, le contraire des indigènes. Mais on n'entend pas là les lits de vertu civile dire ceci est intolérable. Mais ce qui m'interroge le plus, c'est cette propension de ces organisations à revendiquer le monopole de la défense des droits de l'homme et du citoyen, alors que tout le monde peut y concourir à sa façon, et j'affirme que les magistrats qui y portent atteinte par nécessité dans les conditions prévues par la loi défendent tout autant les droits et libertés individuelles que les organismes spécialisés.
Alors l'affaire Guy Georges, là pareil, hein, la digue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, ont refusé à l'époque qu'on applique le fichier des empreintes génétiques, ce qui fait que Guy Georges a été relâché en 1995 et qu'il a pu commettre de nouveaux crimes en 1997. Il y a donc deux personnes, deux jeunes femmes qui sont mortes, assassinées par Guy Georges, Magali Sirotti et Estelle Magde. Vous êtes allé demander pardon aux familles deux victimes. J'ai demandé pardon aux familles de ces deux victimes. Je crois que la moindre des choses que l'on doit aux familles des victimes lorsque l'on s'est égaré, lorsqu'on n'a pas été suffisamment performant, c'est de leur dévoiler la vérité telle qu'elle se présente. Et c'est vrai que si un fichier génétique avait existé en 1995... Guy Georges ne serait pas ressorti. Guy Georges aurait été confondu à ce moment-là et ces deux jeunes femmes seraient encore vivantes. Alors vous dites, en parlant par exemple de la Ligue des droits de l'homme, c'est comme quand on caillasse les pompiers, quoi. Je dis que les juges, c'est un peu comme les flics, on n'est pas obligé de les aimer, je le comprends parfaitement. Mais il faut peut-être veiller dans ce pays à ne pas trop les dénigrer systématiquement. Les pompiers qui vont éteindre des feux ne sont pas responsables des troubles sociaux, ne sont pas responsables des dérèglements de certains comportements individuels. Ouais, ouais. Eh bien, un juge, quelque part, c'est aussi un pompier qui intervient sur des feux dont il ne porte pas la responsabilité, dont il n'est pas comptable. Alors le caillassage des juges ne se fait pas jusqu'à présent à coup de caillasse, ouais. Mais c'est un caillassage verbal qui médiatique. Laisse parfois des traces tout aussi importantes que les blessures physiques. Vous dites effectivement, c'est bien de défendre le faible, mais au moment du deal, du viol ou du crime, le faible était le fort à ce moment-là. Oui. Si on veut éviter ou la loi du lynch ou la théorie de l'irresponsabilité généralisée qui prévaut un peu à l'heure actuelle, ah il a tué, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de la société. Il est ressorti de prison, il a recommis des délits, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à la prison. Je crois que la justice est rendue au nom du peuple français et qu'on ne peut pas exiger des citoyens des choses absolument insupportables pour eux. Il y a un crime, un délit qui est commis, il faut essayer d'administrer, et c'est difficile, personne n'a la recette, une peine qui soit corrélative à l'importance des dommages causés. Mais on a un peu l'impression que parfois, la Ligue des droits de l'homme, certains syndicats de magistrats ou d'avocats, ne se préoccupent plus uniquement que de l'auteur de l'infraction, en passant par pertes et profits dans la rubrique perte, la victime. Mais c'est vrai que la victime, souvent, elle est morte. Ouais. Donc... Elle n'est plus là pour se faire entendre. Il y a la famille des victimes, souvent, qui sont là. Mais il y en a qui restent dans une discrétion la plus absolue. Ouais, ouais. Mais la justice, justement, c'est pour que les victimes n'administrent pas leur propre justice. Mais tant qu'à faire, rendons une justice qui soit rendue, si possible, avec bon sens. Les textes le permettent. Alors, ce qui vous énerve, j'ai dit, c'est donc la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature. Il y a aussi les journalistes, parce que vous ne leur reprochez pas, évidemment, d'être bien informés. C'est leur boulot, ils sont là pour ça. Mais ils ont une responsabilité dans la publication de ces informations. Et au sujet de Guy Georges, toujours, vous dites que son arrestation a failli être compromise à cause de ça. Des fuites, on ne pourra jamais les empêcher complètement. Mais il est quand même de la responsabilité du journaliste, parce que je ne caricature pas et je ne conteste pas la nécessité d'une presse libre. Mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi, alors même qu'il était identifié et pas encore arrêté, une station de radio périphérique a dévoilé son identité en lui permettant potentiellement de prendre la fuite. Je pense qu'il n'est pas absolument extraordinaire de condamner ce genre de bavure. Alors, vous citez un autre exemple, c'est Hervé Gattegno du journal Le Monde, vous y allez fort, d'ailleurs vous donnez les noms, qui propose au juge Alphen le soutien de son journal, donc Le Monde, contre des infos. C'est Eric Alphen qui me l'a raconté. Moi, je n'étais pas présent, mais je ne m'avance pas masqué. Je ne vais pas mettre une cagoule ni pour venir à votre émission, ni en mettre une sur ma plume. On sait très bien que ça se passe, et que ce soit Hervé Gattegno du journal Le Monde ou de quelque autre journal, c'est la réalité des faits. Ce genre de deal existe parfois, mais dans le donnant-donnant, entre la presse et la justice, c'est toujours le magistrat qui a le plus à perdre, parce que c'est l'enquête qui risque d'être compromise. Alors, ce qui vous énerve aussi, Gilbert Thiel, ce sont les avocats. Vous n'auriez pas un peu de Valium pour me calmer un petit peu? Apparemment, vous n'avez besoin de rien, vous.
Vous avez l'air très en forme. Ce qui vous énerve aussi, donc, ce sont les avocats. 36 000 avocats pour 7 000 juges. Alors évidemment, ils plaident deux fois, en plus, vous dites. Ils plaident devant la cour, devant les médias. On les entend beaucoup. Ils n'ont pas le devoir de réserve auquel vous, les magistrats, évidemment, vous êtes tenus. Et finalement, ils multiplient comme ça les astuces juridiques, les recours, les procédures, et vous les taxez de malhonnêteté intellectuelle. Non, je ne taxe pas tous les avocats de malhonnêteté intellectuelle. Enfin, ceux qui me liront le constateront. Mais je dis simplement que les stratégies de défense à multiplier les recours face à une institution qui est complètement engorgée, notamment... Oui, dès qu'il y a une petite erreur dans un dossier, ça prend 6 mois. Mais même s'il n'y a pas d'erreur, même s'il n'y a pas d'erreur, même si on est convaincu qu'il n'y a pas d'erreur, on va exercer une voie de recours. J'ai un dossier à l'heure actuelle qui est communiqué, enfin qui est en attente d'être communiqué au procureur de la République pour règlement. C'est un dossier des deux attentats perpétrés en plein jour à Ajaccio le 25 novembre 1999. La procédure est terminée depuis le mois de mai. Il y a eu un appel tout à fait à la fin sur une décision de refus de faire un acte complémentaire. Cette affaire n'est toujours pas passée devant la chambre de l'instruction. Pendant ce temps, les délais courent. Pendant ce temps, les commanditaires présumés de ce double attentat restent en détention. Et cette détention provisoire, on l'aurait imputée jusqu'il y a peu à l'abominable juge d'instruction prédateur patenté des libertés individuelles. Heureusement, maintenant, c'est le juge des libertés. Alors, au sujet de la Corse, justement, on vous a reproché d'utiliser des procédures pour nuire au processus de Matignon en convoquant ostensiblement Jean-Guy Talamoni au sujet du meurtre de Santoni. Est-ce qu'un juge peut, comme ça, utiliser son pouvoir pour intervenir dans un cheminement politique ? Moi, j'aurais appris quelque chose, Thierry Ardisson, ce soir, c'est qu'on pouvait convoquer ostensiblement. Moi, quand je convoque, j'envoie une convocation. C'est tout ce que je me borne à faire. Le jour où je déciderai de convoquer telle personne ou telle autre, en fonction de la situation politique, en disant, tiens, là, il y a des négociations, je convoque ou je ne convoque pas. Et l'inverse, là, il y a une stratégie. Là, je serai un juge politique. Moi, je convoque les gens qui me paraissent devoir être entendus dans le cadre d'une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, c'est une enquête relative à un crime ou à un délit. Tu sais que ça me fait du bien de poser des questions à un juge. C'est une forme de thérapie. Ah, c'est l'arroseur arrosé, c'est génial. Alors, pour les assassins du préfet Erignac, vous regrettez qu'on n'ait dit pas d'amnistie pour les assassins du préfet Erignac, parce que vous dites, vous, ce qu'il aurait fallu dire, c'est pas d'amnistie pour tous les crimes de sang en général. Ce n'est pas un domaine où j'interviens, mais je crois qu'il serait effectivement plus cohérent, puisque les hommes naissent et demeurent égaux en droit, je me permets d'ajouter, et meurent égaux en droit. Un homme est un homme, qu'il soit préfet, qu'il soit nationaliste, activiste, qu'il soit plombier, le problème n'est pas là. Le regroupement des détenus en Corse, bon, a priori, ça vous semble valide. Encore faut-il que les prisons soient sécurisées. Parce que c'est un problème politique. En 1984, il y a eu deux personnes qui étaient condamnées et qui étaient donc sous la responsabilité de la République à l'intérieur de la maison d'arrêt d'Ajaccio, qui ont été abattues par un commando qui rentrait dans cet établissement comme dans une cathédrale. Et si j'en crois un certain nombre de doléances de gardiens de prison, il est très difficile d'exercer son art là-bas, surtout lorsque l'on a femme et enfants qui travaillent et qui sont menacés scolarisés. Après, bien Mais sûr. Ce problème-là n'est pas un problème judiciaire, c'est un problème politique. Alors, pourquoi vous n'avez toujours pas attrapé Yvan Colonna ? Parce que je ne l'ai pas trouvé, monsieur Ardisson. Croyez-moi qu'il ne bénéficie de nulle complaisance. Je sais très bien qu'à travers les gouvernements successifs, il est toujours tentant de dire « Ah ben, tout n'a pas été fait ». Eh ben, good luck. Et croyez-moi que les premiers soulagés, lorsque Yvan Colonna sera arrêté pour qu'il puisse s'expliquer, car lui aussi bénéficie de la présomption d'innocence, nous en serons tous soulagés. On n'a peut-être pas été bons depuis 3 ans, mais on continue de le chercher. Et comme je l'indique, parfois sous les ricanements, mais on continuera de le chercher le temps qu'il le faudra. Vous croyez qu'il est en Corse, là ? Mais si je le savais, je ne vous le dirais pas. Et si je ne faisais même que le penser, moi. Ça ne m'avancerait pas, même à vous. Alors, avec les islamistes, depuis le 11 septembre, je dirais d'une façon un peu paradoxale, ça va mieux.
puisque Libération a cessé de dire Bruguière voit des réseaux islamistes partout. Oui. De ce côté-là, vous êtes un peu aidé maintenant, grâce à Ben Laden. Oui, mais on sait très bien que ça ne dure pas longtemps. Ouais. On est bien obligé de voir avec quelle ironie ont été accueillies l'opération qui visait à éviter un attentat à l'occasion du Mondial en 1998, en disant ça c'est encore des fantasmes de, Bruguière, de la bande des quatre. Ouais. Il se trouve que parmi les 6 détenus français à Guantanamo, à l'heure actuelle, donc arrêtés en Afghanistan par les Américains, il y avait quand même les 2/3 de cette petite troupe qui avait été arrêtée en 1998, au moment du Mondial. Sarkozy, vous plaît, là, ce qu'il fait depuis qu'il est là ? Écoutez, je ne porte pas d'appréciation sur les hommes politiques en particulier. Je dirais simplement qu'il y a certainement un certain nombre de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais vous en citer deux quand même au niveau. Mais le Parlement va décider. Hein, ce n'est qu'un projet de loi. Je ne vois pas comment on va véritablement pouvoir incriminer les infractions de réunion dans les cages d'escalier. Parce qu'il faut des éléments. On est dans un pays de droit. Il faut des éléments constitutifs. Il faut que le juge puisse s'y retrouver s'il veut établir la matérialité de l'infraction ou, deuxième chose, la mendicité agressive. Ce n'est pas que le phénomène n'existe pas, mais il y a des textes. Mmh. C'est l'extorsion de fonds par menace, violence ou contrainte. Donc, il y a peut-être un certain nombre de choses à dire, mais sur d'autres domaines, l'extension du fichier génétique avec les traces des suspects, c'est quelque chose que la gauche aurait été bien avisée de faire. Si on l'avait eu en 1995, les Anglais payaient éminemment liberticide, ils ont 364 000 empreintes dans leur fichier, nous on en a 1000 à l'heure actuelle. Et on ne réveillait pas un juge qui dort parce qu'après il parle. Gilbert Thil avec Daniel Carton, ne réveillez pas un juge qui dort, c'est chez Fayard. Merci d'être venu. J'accueille maintenant Pierre Perret. Pierre Perret. C'est moi qui poserai la première question, si vous permettez. Répondez-moi honnêtement, est-ce que vous avez répété ? Non. C'est vrai. Non, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, Pierre Perret. Vous êtes fait connaître au début des années 60 avec des chansons gauloises, parfois même grivoises. Puis vos ritournelles sont devenues de plus en plus militantes. Vous avez commencé à écrire. Vous êtes mis à faire des dictionnaires, des anthologies. Vous êtes entré au Conseil supérieur de la langue française et aujourd'hui, bah, vous êtes un monument national. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Écoutez, il y a même des écoles et des rues qui portent votre nom. C'est incroyable, non ? Jamais j'ai pensé une seconde au quart du millième de ce qui m'est arrivé parce que j'ai toujours été un enfant rêveur, assez timide et contemplatif. Finalement, j'étais heureux de tout. Ouais. La première fois que papa m'a demandé... Quand j'avais mon petit certificat d'études en poche, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, mais moi, papa, rien. C'était terrible. Est-ce que vous avez pensé, étant enfant, qu'un jour, vous seriez à Tout le monde en parle et que vous auriez droit à un triomphe romain ? Merci. Alors, heureusement, vous êtes toujours resté extérieur à votre personnage public et vous avez toujours cette simplicité, malgré vos succès. Oui, mais je ne trouve pas grand mérite à ça parce que, d'abord, je pense que ça serait trop fatigant d'être différent. Ouais. Jouer la star, ça vous fatiguerait ? Oui, pour jouer un personnage à longueur de journée, je ne sais pas, ceux qui arrivent à le faire sont des gens beaucoup plus forts que moi, sans doute.
Alors, vous êtes ici, Pierre Perret, pour une double actu. D'abord un CD, ensuite un livre. Mais avant de parler de cette promo, on va se rafraîchir la mémoire. Didier. Le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les dix. Des gros points noirs sur le pif. La voix. Les filles, ça me tuera si j'en manque un jour. Les filles, ça me tuera. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler. Le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mouquin, le grand fou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. On nous disait, ils étaient taillés en Amérique du Sud, sans un vélo, tout débraillé. Mes enfants, que la Vierge nous prête à fiole, plutôt que de revoir un jour sa fiole. Blanche, oh ma blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. L'appel cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est à faute bien sûr, passer tout petit poumon. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. J'oublierai, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydro-discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Parfois elle est menteuse, boudeuse et coléreuse, et tout vole en éclats, et ça me va. Sachez que si quelqu'un la touche, il attend, c'est comme s'il était mort. Parfois elle est lubrique, sensuelle, volcanique, dans un lit, c'est la fin d'Attila. Parfois elle est pudique, elle ferme sa boutique, termine le sabbat et s'en va. Voilà, parfois, c'était la dernière chanson extraite du nouveau CD de Pierre Perret qui s'appelle celui-là. Hey, ce soir, c'est les trompettes de la renommée. Ah, là. C'est beaucoup, hein là, oui. Ouais, c'est fou, là, c'est triomphe absolu, là. Ben, je vais vous dire, c'est nunuche à dire, mais ça rembourse ouais. De plein de moments de solitude quand on est juste avec un stylo. Voilà. Alors, Pierre Perret, dans votre dernier CD, comme depuis quelques années, vous abordez des problèmes de société assez graves, mais toujours avec votre langage coloré. Et vous dénoncez dans ce disque les déviances sexuelles, les sectes, le dopage dans le sport, la guerre, la pollution, la drogue, le racisme, les marchands d'armes, les dangers du tabac. Vous ne croyez pas que finalement, c'est un petit peu enfoncer les portes ouvertes, non ? Si, sans doute. Je ne suis pas le seul à parler de ça. On tourne ouais. un bouton, on écoute ça toute la journée. Bon, je pense que c'est par un prisme un peu particulier, qui est le mien, mm-hmm. qui est un œil, une vision de la chose. Je pense qu'il n'est jamais superflu de rappeler aux enfants que
Un dealer, c'est de la merde. Et ouais. Dealer, que c'est de la merde d'un dealer, c'est jamais ouais. Inutile de le dire, même aux enfants. Et j'espère qu'un jour, ces chansons-là seront apprises dans les maternelles, même celles qui portent mon nom. Alors, est-ce que c'est pas difficile, finalement, de dénoncer les malheurs du monde, la misère du monde, quand on vit dans une maison de rêve comme ça, à Nangis, en Seine-et-Marne, avec 20 000 bouteilles de vin dans sa cave? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? C'est la seule chose qui est mon bien, ma richesse, mon bonheur, celui d'avoir une maison accueillante pour y accueillir surtout des amis. Mmh. Et puis, bon, j'ai pas de laverie automatique, j'ai pas de restaurant sur les Champs-Élysées à faire de la bouffe rapide. Ça m'intéresse pas, ce genre d'argent-là m'intéresse pas. Parfois, elle est menteuse, boudeuse et coléreuse, et tout vole en éclats, et ça me parle. Sachez que si quelqu'un la touche, il attend. C'est comme s'il était mort. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, on a vu revenir Georges Brassens d'un seul coup. Les Français se sont rendus compte que Brassens, enfin je parle des jeunes évidemment, se sont rendus compte que Brassens c'était un chanteur de folk français, quoi, et que c'était intéressant. Et j'ai l'impression que vous êtes le suivant. Je voyais l'autre jour un journal comme Libération qui vous rend hommage sur une demi-page. Ça n'aurait pas été le cas il y a 5 ou 10 ans, hein. Oui, peut-être, oui, je ne sais pas ce qui leur arrive à tous, là. Ouais. C'est bien. Alors, on va maintenant passer à la deuxième actu de Pierre Perret. Donc ça, c'est un dictionnaire, hein, qui s'appelle « Le parler des métiers » et c'est édité chez Robert Laffont. Alors, 1100 pages, 13 210 centres, 145 professions. Alors, c'est ni sur l'argot, ni sur les vieux métiers, c'est sur les métiers d'aujourd'hui, c'est oui, bien très sûr. Actuel. Oui. Bien sûr, ouais. C'est tous les métiers d'aujourd'hui vers lesquels j'ai envoyé des enquêteurs, principalement des linguistes qui savaient de quoi ils parlaient, qui savaient poser les bonnes questions, parce que ce n'est pas toujours évident. Ouais. Et il y avait principalement des femmes qui sont allées un peu dans tous les coins de l'Hexagone pour questionner des gens qui mettaient des sardines en boîte, ouais. Qui faisaient de la viticulture, qui étaient cordonniers, qui étaient flics, qui étaient tout. Pour approcher de 150 métiers, il en faut beaucoup. Alors ils se retrouvaient même dans des commissariats ou des églises ou des morgues en questionnant des gens pour obtenir parfois des locutions assez cocasses, hallucinantes ou curieuses. C'est vous qui les avez payés? Oui, ça c'est un... Oui, bien sûr. Non, mais on pourrait penser quand même que c'est le boulot de l'Académie française d'envoyer des gens dans les provinces pour recueillir les jargons. C'est un travail qui aurait été certainement dans leur domaine, et c'était plutôt à eux de recueillir ce patrimoine qu'à moi, parce que je ne suis qu'une personne toute seule, physique, bon. Mais ça m'a fait un plaisir fou de m'offrir ça, parce que je me suis offert ça. Alors en 63, moi j'avais 14 ans quand votre premier succès, le Torboyau, est sorti. Et j'ai appris en préparant cette interview qu'en fait, c'était pas complètement innocent parce que vous êtes né dans un café-restaurant. Vos parents étaient bistrotiers. Et quand on sait ça, ça explique assez bien votre truculence, votre humour, votre façon d'être. Vos parents s'appelaient Maurice et Claudia Perret. Et ils avaient le Café du Pont à Castelsarrasin, à la sortie de la ville, entre l'usine d'aluminium et la caserne. Et alors, ça a été votre école de la vie, ça, le bistrot de vos parents? Ah oui, parce que autour d'un comptoir, dans un café, les clients refont vraiment le monde. Et puis votre mère qui voulait vous envoyer vous coucher, qui vous tirait par la manche le soir. Oui, quand les propos devenaient un peu scabreux. Voilà, oui, t'en as assez vu, t'en as assez entendu, rentre te coucher. La phrase c'était « Pierrot à la cuisine ». Il fallait que... À 14 ans au Conservatoire de Toulouse, 15 ans Conservatoire d'art dramatique, 19 ans premier prix de saxo et accessible de comédie. Et puis, début sur les planches, hein, vous commencez à vouloir jouer. Et là, il y a un libraire qui vous fait découvrir la lecture, qui vous passe des classiques français, quoi. Et c'est lui qui vous a vraiment branché sur les mots. Oui, un monsieur merveilleux qui a comblé les lacunes qui étaient les miennes, parce que partir après un certificat d'études et se trouver confronté aux textes de Molière, Shakespeare ou Courteline ou Musset, j'étais très malheureux et même un peu humilié, il faut bien le dire.
parce que c'est très, très humiliant quand on ne sait pas, on entre dans un monde, on ne comprend pas tout. Personnellement, moi qui ai une sensibilité quand même. Et un jour, ce monsieur, je suis rentré pour acheter un bouquin au rabais, je crois que je jouais les plaideurs, le petit Jean des plaideurs de Racine, et j'ai demandé un bouquin bon marché. Et ça l'a attendri, il m'a vu et il m'a dit « bon ben venez ». Et il m'a amené dans une caverne d'Ali Baba qu'il avait hors de la librairie à 100 mètres de là, et c'était des anciennes caves qui dataient de 300 ou 400 ans. Et il y avait des trésors là-dedans, des bouquins de théâtre, de poésie, de tout, mais des bouquins très anciens. Et il a laissé vous servir. Il m'a laissé me servir, et il m'a mis en main des ouvrages que j'aurais jamais lus tout seul. Vous montez à Paris, vous êtes fan de Brassens à l'époque, hein, et vous allez le voir dans sa loge, vous vous liez d'amitié avec Brassens, et c'est sa compagne, Pupchen, qui vous a dit de chanter d'une certaine façon. Vous n'osiez pas le faire avant. J'ai dit, mais je ne suis pas chanteur. Il m'a dit, mais Georges non plus. Alors, vous êtes remarqué et félicité à l'époque donc, par Boris Vian et Jacques Canetti, grand homme s'il en fut, Canetti, découvreur de talent hors bien pair. Sûr, bien sûr. Eddie Barclay vous signe. Et là, vous faites la connaissance de Simone Mazal Tarim, qui devient votre compagne, après que vous l'ayez rebaptisée Rebecca, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Simone Saléba. Mon épouse, toujours la même. C'est fou, hein. 40 ans. 40 ans d'acharnement thérapeutique. Mais Simone, c'est plus qu'une épouse, hein. C'est votre muse, votre secrétaire, votre attaché de presse. Je ne fais rien d'important, je veux dire, sans en référer avec elle. Et l'œil et l'oreille les plus importants pour moi, pour une chanson nouvelle, c'est son œil et son oreille. Si jamais elle a une réaction mitigée sur une chanson, je peux être malade pendant une semaine, sans le dire à personne, mais je vais avoir les patates au fond du filet pendant une semaine, là, c'est sûr. Vous êtes un fou des mots. Alors, comme vous êtes un fou des mots, on va vous faire une interview par les jeunes. Alors, on va voir, peut-être ça sera votre prochain dictionnaire. Est-ce que vous savez ce que veut dire « kiffer sa race » c'est l'équivalent de « sambotte », non ? Ouais, bien, voilà, bien. No susai, ça veut dire no susai. Bon, no susai of a lie. La life, c'est du style. Oui, d'accord. C'est un peu dégueulasse, votre truc. Ouais, hein. Pas du tout. Alors, pérave. C'est-à-dire pérave. Quand on dit d'un truc que c'est pérave. Ben, c'est un peu périmé, quoi. Ouais. Non ? Pourri, ouais. Ouais. Si je dis Pierre Perret, je suis grave vénère, ça veut dire quoi ? Très énervé. Très ouais. Bien. Un zgeg, c'est quoi un zgeg? Alors là, je vous signale, c'est dans mon dictionnaire. Ah. Alors, le teshi, oui. C'est ce que c'est le teshi? J'y touche pas. Ah bon? Ah, vous fumez pas, vous? Non. Mais comment vous trouvez toutes vos idées, alors? C'est le... Hey, c'est de l'herbe aussi, hein? Ah ouais, une taspé, c'est quoi, une taspé? Ben, c'est tout sauf ma femme. D'accord. Un dep, c'est ce que c'est un dep? Oui, mais bon, c'est pas mon truc. C'est très bon. C'est de la balle, c'est ce que ça veut dire quand on dit c'est de la balle? C'est de la daube, non? Non. C'est de la balle, c'est super, ça veut dire. Ah, d'accord. Ah, c'est de la balle ou de l'extra-balle, même, Pierre. Ah, non. Je suis un peu à la bourre, là. Entraver que chi.
Oui, oh, bah, ça. Facile, ça. Alors ça, c'est même... C'est pas du jeune, assez... c'est de l'argot, peut-être même, ça. Oui, c'est de l'argot et assez vieux. Ouais. Et ça fait partie... très fort. Ça fait partie du javanais matiné de Verlan, un peu. Se faire pépon, oui, c'est bien. Non, non, j'arrive, ok. Mais, hein? C'est... Mais chez moi, c'est du matin au soir. Du matin au soir. Ah, je comprends. Je comprends qu'ils y soient depuis 40 ans en même temps. Et si je vous dis, Pierre, tu déchires. Ah, ça me fait vachement plaisir. Eh bien, vous avez raison. Pierre Perret. Pierre Perret, merci. La prise d'otage de Moscou a brutalement ramené la Tchétchénie à la une de l'actualité. À cette occasion, j'ai remarqué qu'on voyait rarement de Tchétchènes s'exprimer à la télévision et encore plus rarement, sinon jamais, de Tchétchènes invités sur les plateaux de télévision. J'ai donc décidé avec Catherine Barma d'en inviter un pour essayer de comprendre. Voici Oumar Ranbiev. Oumar Ranbiev, bonsoir. Vous êtes donc tchétchène. Je crois que vous êtes le premier tchétchène à vous exprimer à la télévision française. J'espère que vous ne serez pas le dernier. Merci. Alors, vous êtes Oumar Ranbiev, ministre de la Santé tchétchène, ministre en exil, bien sûr. La Tchétchénie, en deux mots, hein, c'est un pays de 19 000 km², 1,2 million d'habitants, une république située dans le Caucase. Et les habitants, d'ailleurs, comme on le voit en vous regardant, sont de type caucasien. Donc, ce n'est pas un peuple arabe, mais c'est un peuple qui a été islamisé au XVIIIe et XIXe siècle. Et un peuple qui est en lutte depuis toujours contre l'impérialisme grand russe. Alors, avec la révolution bolchevique en 1917, les Tchétchènes croient leur heure venue et ils se lancent dans une guerre de libération qui durera jusqu'en 1924, année de leur défaite. En 1944, Staline les accuse de collaboration avec les nazis et déporte la population tchétchène entièrement en Asie centrale et en Sibérie. La République tchétchène disparaît, elle est colonisée par les Russes. Et d'ailleurs, vous, Oumar, vous êtes né au Kyrgyzstan en 1955 et vous n'êtes revenu dans votre pays, la Tchétchénie, avec les autres Tchétchènes, qu'en 1960, où votre famille a retrouvé le village de ses ancêtres. Voilà. Alors vous, quand vous êtes revenu dans ce village un jour, votre mère frôle la mort parce qu'il fallait deux jours au médecin pour se rendre dans ce village et vous décidez de devenir médecin, ce que vous ferez, puis chirurgien. Alors, quand Eltsine prend le pouvoir en Russie, il dit aux Tchétchènes, prenez autant de liberté que vous voulez. Évidemment, à ce moment-là, les Tchétchènes se déclarent indépendants puisqu'on leur a dit de prendre toute la liberté qu'ils voulaient. Cette attitude n'a pas duré. Pourquoi, à votre avis, la Russie a repris la main sur la Tchétchénie après 1991 ? Je suis très content que vous ayez si bien raconté l'histoire de la Tchétchénie. En Europe, il y a des gens qui, effectivement, connaissent bien notre histoire, donc je suis heureux de le voir. Selon l'idée politique d'Eltsine, on a toujours cru les mots des politiciens russes. Et c'est là que la guerre a commencé. Alors vous, à l'époque, vous êtes chef de l'hôpital militaire et un an après, en 1995, ministre de la Santé, vous serez confirmé dans ce poste en 1997 quand Aslan Maskhadov est élu démocratiquement président de la République tchétchène. Et là, il y a une période assez heureuse qui ne dure pas longtemps, qui dure peut-être deux ans, au cours de laquelle, entre 1997 et 1999, les Tchétchènes reconstruisent leur République.
C'était en fait une guerre cachée. En fait, travaillaient là les forces spéciales pendant ce temps-là. Donc ces 2-3 années de paix, que on peut ainsi qualifier, c'était en fait la préparation du côté de la Russie d'une nouvelle guerre, plus préparée, avec plus de propagande et un caractère de force plus important. Et c'est seulement quelque chose qu'on a compris quand cette guerre a commencé seulement. Je voudrais simplement connaître son sentiment sur cette attitude des Russes. Pourquoi les Russes ont, vis-à-vis de la Tchétchénie, cette politique de douche froide à laisser croire que le pays va être indépendant, à jouer au chat et à la souris comme ça, à rendre tant de gens malheureux, à leur donner un espoir qui finalement va être assommé d'un coup de marteau. Quel est votre sentiment là-dessus? Pourquoi? Nous-mêmes, nous aimerions bien comprendre pourquoi. Principalement, c'est dû au fait que cette tentative historique, dont ces actions, qui durent depuis 300 ans, avec une période de paix, puis de nouveau la guerre. Et on voit que la Russie ne veut pas quitter ces mauvaises méthodes et utiliser une méthode pacifique pour résoudre les problèmes. Il faut dire aussi que la Russie pompe à la Tchétchénie chaque année 29 millions de tonnes de pétrole. Et il y a aussi des oléoducs qui viennent de la mer Caspienne, qui traversent la Tchétchénie, donc tout ça est très important. Ce qui fait dire à Oumar Ranbiev, les Russes veulent bien de la Tchétchénie, mais ils ne veulent pas des Tchétchènes. Absolument. Et aujourd'hui, un grand intérêt se crée avec la découverte dans le bassin de la Caspienne de grandes réserves de pétrole. Donc, cette question va s'exacerber. Il ne faut pas chercher bien loin, c'est comme l'Irak, dès qu'il y a du pétrole. Je suis malheureux que ce qu'il nous raconte là donne raison à une de mes chansons qui s'appelle « Le monsieur qui vend des canons ». Et où j'explique que c'est une fois ou les ventes d'armes ou le pétrole, mais qu'ils décident ce qu'ils veulent au nom du fric. De leurs intérêts. Voilà. Absolument. Alors en octobre 1999, donc tout recommence. Un an plus tard, c'est le siège de Grozny et la chute de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, encerclée par l'armée russe. Vous, vous êtes arrêté en quittant la ville avec un groupe de médecins et de blessés. Vous êtes emmené en prison. Vos muscles sont brisés à cause des coups que vous recevez. Certains sont nécrosés. Et désormais, vous avez beaucoup de mal à opérer Oumar Ranbiev comme avant, non? Absolument. Donc cette seconde guerre en Tchétchénie est d'une violence inouïe, d'une cruauté incroyable. Des obus à aiguillons. Des bombes à billes qui font des dégâts terrible, invisibles à l'œil nu. Donc on croit que la personne est normale, puis après on s'aperçoit qu'elle a à l'intérieur du corps plein d'aiguillons ou de petites billes. Des bombes à effet de pénétration qui sont interdites donc par la Convention de Genève, qui brisent les os en 1000 morceaux et désarticulent les corps. Et ensuite, vous racontez, Oumar Ranbiev, que les prisonniers étaient battus sur leurs plaies et sur leurs moignons. Voilà la cruauté avec laquelle les Tchétchènes sont traités par l'armée russe. Ensuite, évidemment, la Tchétchénie est occupée par l'armée russe. Les soldats russes sont bien entendu harcelés. C'est ce qu'on appelle une sale guerre. L'opinion mondiale s'intéresse aux Tchétchènes et s'élève contre l'anéantissement d'un peuple tout entier. Mais il faut dire les choses, depuis le 11 septembre 2001, la Tchétchénie a été un petit peu oubliée, puisque la lutte de Moscou contre les Tchétchènes a été assimilée à la lutte antiterroriste. Ce qui fait que la pression n'a cessé de monter. Et la semaine dernière, nous avons vu cette prise d'otage à Moscou, où un commando de 50 Tchétchènes a retenu en otage 700 spectateurs d'un théâtre, en menaçant de tout faire sauter si la guerre ne s'arrête pas. On connaît la suite. Est-ce que, Oumar Ranbiev, vous approuvez les méthodes de ce commando?
Cela, notre président Masradov a toujours dit, et nous a toujours dit que les méthodes des brigands ne sont pas les nôtres, que nous ne devons pas suivre les pas de ceux qui exterminent nos populations civiles. Est-ce que le président Maskhadov était au courant de l'opération du théâtre de Moscou? Maskhadov ne savait absolument rien de cela. Vous savez que les Russes à Moscou ont fait entendre une conversation entre Maskhadov et des gens au Moyen-Orient, au Qatar. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse preuve? Ou est-ce que vous pensez que le président était au courant et qu'il ne vous l'aurait pas dit et qu'il ne l'aurait pas avoué? Je connais très bien le président et je connais suffisamment bien pour ne pas y croire. Ça fait déjà très longtemps qu'on essaie de présenter notre président comme un terroriste. Donc, il y a une situation qui se présente, que ce soit Al-Qaïda ou autre chose. On essaye toujours. Il ne faut pas essayer de chercher des raisons à cela. Donc il n'y a pas de lien entre Maskhadov et Al-Qaïda. Il n'y en a jamais eu et ça ne se peut pas. Je peux dire effectivement, pour aller dans le sens d'Oumar Khanbiev, que la religion, l'islamisme des Tchétchènes est un islamisme soufi beaucoup plus modéré que l'islamisme wahhabite qui règne au Moyen-Orient. Les gens qui disent qu'il serait possible d'avoir une radicalisation de l'islam en Tchétchénie ne comprennent pas notre vie, notre religion. Alors, l'émissaire du président Maskhadov à Copenhague, Ahmed Zakaïev, a été arrêté mardi à Copenhague. Les Russes demandent son extradition. Est-ce que vous pensez qu'il peut être extradé du Danemark vers la Russie? Cette opinion n'est pas exclue, je ne peux pas répondre, mais ce serait une très grosse erreur de faire cela. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre sécurité? Donc, pour ma vie, je me suis fatigué de m'inquiéter. Alors, le président Poutine est très dur avec les Tchétchènes, il faut rappeler qu'il a fait ses classes au KGB, donc c'est quand même pas une école de grande tolérance. Il a déclaré, en parlant des Tchétchènes, il faut les buter jusque dans les chiottes. Est-ce que aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Moscou la semaine dernière, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des possibilités de négociation ou est-ce qu'on est entré dans une crise insoluble? Il y a un changement à l'intérieur de la Tchétchénie, la situation, nous n'en voyons pas. Donc, on voit que la Russie continue à exterminer en Tchétchénie et c'est quelque chose qui est inutile, qui ne sert à rien. Donc, les derniers événements à Moscou devraient montrer à ceux autres qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Si vraiment la Russie veut sortir de cette situation, alors la seule solution, ce sont les négociations. Et bien sûr, un compromis serait possible, là. Merci, Oumar Khanbiev. Nous recevons maintenant une Russe, une journaliste russe, la seule à avoir sillonné la Tchétchénie depuis 1991. Elle a vécu de très près le drame de Moscou. Voici Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été élevée durant les 8 premières années de votre vie aux USA, où votre père était un diplomate russe auprès des Nations Unies. Donc, on peut dire que vous n'avez pas été élevée dans le culte de Karl Marx, mais dans celui de la religion des droits de l'homme. Vous couvrez le conflit en Tchétchénie pour un journal russe qui s'appelle Novaya Gazeta. Et vous travaillez, vous êtes même la seule journaliste, il faut le dire, à travailler indépendamment du commandement militaire. Vous avez révélé l'existence de camps de filtration
qui sont, on pourrait dire, des camps de concentration. Et le 16 octobre dernier, vous receviez à New York le prix Courage pour vos articles. Et le 25 octobre, quelques jours plus tard, vous êtes choisi à Moscou par les preneurs d'otages tchétchènes pour négocier en leur nom avec le pouvoir russe. Pourquoi avez-vous été choisi par les Tchétchènes ? Je ne le sais pas, malheureusement. Mais il me semble que c'est peut-être parce que la situation avec les médias russes était assez difficile pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, mais du moins moi je ne mentais pas. Je disais, je racontais tout ce que je voyais, donc peut-être il s'est établi une sorte de relation de confiance avec moi, et c'est pour cela qu'ils ont voulu discuter avec moi des conditions de libération des otages. Alors, vendredi soir, pas hier, mais la semaine d'avant, vous êtes entretenu avec le chef du commando tchétchène pendant une heure et demie pour essayer de dénouer la crise. Et vous dites, il était possible de dénouer la crise. Oui, sans aucun doute. Le 25 au soir, tard le soir, quelques heures avant l'assaut, il y avait une véritable, une réelle possibilité de se mettre d'accord parce que les exigences étaient très simples. Et deux, trois de ces conditions, eh bien, on pouvait les remplir très, très rapidement et on aurait pu libérer tous les otages et éviter toute l'horreur qu'on a vue après, le gaz, la mort de centaines de personnes, dont certaines de mes amies. Mais tard le soir, le 25, malheureusement, j'ai compris que les gens du côté fédéral, si je puis dire, ont perdu tout intérêt pour des négociations, n'avaient plus besoin de mes efforts, n'avaient plus envie de mener des négociations et voulait justement mener l'assaut. Vous voulez dire que Poutine avait décidé de donner l'assaut, quoi qu'il en soit, d'une certaine façon? Bien sûr, c'était sa décision, oui, bien sûr. En fait, si je dis qu'on assiste à une renaissance d'une certaine forme de stalinisme ou de néo-soviétisme, ce n'est pas en vain. En général, on dit chez nous que, bon, quand on détruit une forêt, il y a toujours quelques copeaux qui volent en éclats. Bon, donc, ce qui est important pour nous, c'est de montrer que nous sommes une grande puissance, que nous n'allons pas nous agenouiller devant qui que ce soit. Tout le reste, eh bien, ce sont des vétilles. Vous avez déclaré, Anna, toutes les victimes ont été délibérément gazées. Eh bien, parce qu'il voulait mener une opération, me semble-t-il, d'extermination des terroristes et non pas de libération des otages. Ça, c'est une question de principe, c'est une grande différence. Et c'est pour cela que, bon, on a dit, bon, on va diffuser du gaz, il va y avoir un certain pourcentage de morts, mais il va y en avoir qui vont sortir en vie, et puis du moins on pourra dire que nous avons exterminé les terroristes et nous n'avons pas baissé la tête. Ça, c'est à la soviétique. Sur la nature du gaz, est-ce que vous considérez que les informations qui ont été données ces derniers jours par les autorités russes sont justes? Je ne peux rien en penser parce que je suis journaliste, je ne juge que les faits et je ne peux que mener des enquêtes. Donc je sais que les gens qui sont sortis hier de l'hôpital, j'ai discuté avec certains d'entre eux, certains des anciens otages, on les a prévenus, on leur a dit, voilà, vous avez un certain empoisonnement du sang. Et votre sang est en mauvais état, comme dans certaines phases terminales du cancer. Oh. Malheureusement, on ne leur a pas dit quoi faire après. Ce matin, des businessmen organisent une sorte de fondation, mettent en place une fondation pour mener en place des recherches pour essayer de soigner ces gens qui sont malades d'une certaine forme de cancer. Mais l'État, lui, ne fait rien. Est-ce que vous voulez dire qu'ils ne connaissaient pas l'effet du gaz qu'ils ont répandu par les bouches d'aération dans le théâtre ou qu'ils n'avaient pas prévu les antidotes pour soigner les gens qui ont été gazés? Puisque la décision d'utilisation du gaz, de ce gaz précis, a été prise par Poutine, nous le savons, c'est personnellement Poutine qui a pris cette décision, comme c'est quelqu'un de pragmatique, il savait très bien quelles étaient les conséquences, mais ils n'ont simplement pas eu le temps de se doter d'antidotes. Concernant les Tchétchènes, donc ils ont été endormis évidemment
par le même gaz que celui des otages. Et ils ont été achevés donc par des balles tirées dans les tympans. En fait, nous sommes quittés sur la note suivante. Lorsque, avec les preneurs d'otages, nous étions en train de discuter du plan de libération des otages. Le quatrième point, qui était le dernier point, était le suivant. C'était quelque chose de très simple. Nous ne partons pas d'ici, nous laissons partir les otages, nous n'avons pas besoin des avions, nous n'avons pas besoin d'Arabie Saoudite, nous sommes prêts à mourir ici seuls, comme ils me l'ont dit à moi. Ils n'avaient pas l'intention de sortir et de survivre. Ils avaient l'intention de mourir. Oui. Bien. Avant de nous séparer, je voudrais dire qu'Amnesty International vient de lancer une campagne mondiale sur la violation des droits de l'homme en Russie. Un rapport a été publié pour agir. Vous pouvez signer en ligne la pétition mondiale qui sera remise à Vladimir Poutine à Moscou le 31 janvier 2003. Cette pétition est disponible sur le site internet dont l'adresse s'inscrit en bas de l'écran. Merci Anna, merci Oumar Hanbir. Voici votre Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'ai demandé de venir parce que vous êtes victime d'une maladie très rare. Oui, tout à fait. Je souhaitais intervenir dans votre émission pour en témoigner. Oui. Tout à fait. Hein. Oui, vous savez, tout se discute. En quoi consiste votre maladie exactement, Gérard ? J'ai la fesse à poilose. J'ai la fesse à poilose, c'est-à-dire que bon, dès qu'on me met en présence de caméras et d'un public certain, j'ai tendance, c'est vrai, à montrer mes fesses à poil, oui, c'est vrai. Ah, mais je l'ai reconnu. Michael Youn. Alléluia. Michael. Oui, c'est moi. Oui, ça pousse, c'est moi, oui. C'est marrant parce que dès que tu parles de montrer ses fesses... On sait que c'est moi. On sait que c'est toi, c'est incroyable. Eh bien, foutu les trucages quand même, cher Ardisson. Personne ne m'avait reconnu. Mais personne, hein. Non, même pas de la rue. Pardon, Catherine. Catherine me demande si vous connaissez Michael Youn. Vous le connaissez, non? Ben, non, mais j'ai vu tout de suite qu'il était tombé dans la marmite et... et ça me déplaisait pas, voilà. Magnéto, Serge. Michael Youn, qui s'est habillé en smoking pour la circonstance. Et qui nous fait une entrée improvisée. Excusez-moi d'interrompre le déroulement de cette soirée qui n'est pas du tout trop longue. Je suis désolé, ça va paraître un petit peu prétentieux, mais il n'y a qu'un seul vainqueur à cette soirée des 7 d'or, c'est...
depuis ce jour-là que Jacques Lang est mon meilleur ami. Ouais. Voilà. Alors à ce moment-là, Michael Youn, pour la France entière, vous êtes devenu le mec à poil aux 7 d'or, ouais. Hein, en un seul mot. Mais comme vous êtes un grand pro, vous avez décidé d'arrêter comme ça, un jour, en pleine saison. C'est très rare. C'était pas calculé. J'ai arrêté parce que voilà, ça, je me suis lassé et avant que les téléspectateurs se lassent, j'ai préféré arrêter, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'y mettre d'explications télévisuelles ou philosophiques, j'en avais marre, point. Ouais, vous avez eu de la chance de tomber sur une chaîne qui le prenne bien en même temps. Oui, mais d'un autre côté, ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils l'ont bien pris. Oui. Mais je suis arrivé un jeudi soir, je leur ai dit j'arrête lundi. ils me disent laisse-nous au moins 3 semaines. Ouais, je leur ai laissé 3 semaines. Là, vous devenez avec les Bratislava Boys numéro 1. C'est un mec qui rebondit incroyablement. Numéro 1 du top 50, meilleure vente de single. En 2002, Magnéto Serge. Cours, 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 stage, stage. Cours, 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 stage, stage. Cours, 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 stage, stage. Caruca, tiki, tav, dupi, du, stage, stage. Cours, cours, caruca, tiki, tiki, tiki. Cours, cours, caruca, tiki, tac, tac. Cours, cours, caruca, tiki, tiki. Cours, cours, caruca, tiki, tiki. Voilà les Bratislava Boys autour de Michael Youn. Excusez-moi, Thierry, je ne vais pas passer toute l'émission à rétablir des vérités. Je ne fais pas partie des Bratislava Boys. Il y a une ressemblance physique, et c'est vrai, étonnante, avec Dvorak, le leader du groupe. Mais c'est des gens dont je me suis occupé de la promotion parce qu'ils ne parlaient pas bien français, c'est tout. Il faut arrêter avec ça, ça va me... Mais tu as bien été numéro 1 top 50 quand même. Pas moi, les Bratislava Boys. Moi, j'y suis pour rien, je n'ai pas touché un centime de ça. Rien. Et là, pareil. En pleine gloire, vous arrêtez. Total split, vous disparaissez. Alors, t'étais où ? J'étais à Avignon. À Avignon ? Oui. C'est joli, Avignon, puis c'est bien quand il fait froid à Paris, tout ça. Non, parce que je me suis isolé pour pouvoir écrire mon spectacle et le répéter. À Avignon, effectivement, depuis Jean Villard, il y a vachement de théâtre. Donc on peut répéter assez facilement. Et puis, il n'y a pas les sollicitations parisiennes, les filles faciles, les plaisirs artificiels, etc. À Avignon, les filles ne veulent pas coucher. Ah bon ? Les dealers ne veulent pas vendre. Ah bon ? Donc c'est bon, j'étais peinard, j'ai pu bosser. Planqué en Avignon, on dit en Avignon. Hein. Eh bien, je crois que c'est un parisianisme. On dit à Avignon, oui. Mais je sais pas, faut demander à notre ami qui fait des dictionnaires. En Avignon. En Avignon. Oh, je vais Maître pas... Capello. Je vais pas vous chauffer, Pierre. Donc, en Avignon, pour écrire un one-man, comme on dit, de nos jours. Moi, j'aimerais bien savoir une chose, parce que ce garçon est vraiment sympathique. Mmh. Quelle est sa fonction totale? C'est-à-dire, il écrit des one-man shows, des chansons ou... J'ai envie de m'amuser en amusant les gens. Si les gens me laissent la possibilité de le faire le plus longtemps possible, moi, je continuerai. Mmh. Pas de raison de faire soit de la télé, soit du cinéma, soit du théâtre. Tu as l'air de le faire bien. Bon, merci, Pierrot. Ah alors, je dois vous avouer quelque chose. J'ai un petit faible pour Pierre Perret, non seulement pour sa musique, mais surtout parce qu'il est le sosie craché de mon père. Ah bon ? Mon père... Le pauvre. Non. Dis donc, il a bourlingué mon repas. Ah bon. Il a envoyé du bois. Non, mais c'est vrai, vous lui ressemblez beaucoup et c'est... Ça te touche, quoi. J'ai l'impression d'être avec mon père en plateau télé. Hey, je suis bien. T'es à la maison. Voilà, il manque plus que ma mère. Donc pour le moment, Michael, vous êtes en tournée de chauffage dans toute la France. Oui, à partir du 6 novembre à Grenoble, suivront Tours, Marseille, Lille, Lyon et Avignon. Et à partir du 7 janvier à La Cigale, à Paris pendant 2 mois et demi. Waouh ! Alors, comme pour tout le monde, Michael Youn, vous êtes le mec à poil des 7 d'or. Vous avez fait un spectacle intitulé « Plus qu'à poil ». Et d'ailleurs, sur les affiches, on voit votre squelette, quoi. C'est carrément une radiographie. Sur scène, vous allez vous mettre nu de l'intérieur. C'est ce que j'ai essayé de signifier assez prétentieusement dans « Plus qu'à poil ». C'est quand on s'est mis tout nu devant les gens, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Il y a la nudité de l'âme, quand on se dévoile vraiment, quand on est... tout seul sur scène devant les gens et que là, t'es obligé de poser tes testicules sur le plateau parce qu'ils sont venus pour ça, il faut que tu mouilles la chemise. Quoi. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui le disent plus dignement, ils n'ont pas besoin de mettre poil ou couilles dedans, hein. Moi je le fais, chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est une idée qui vous est venue dans une conversation où il vous est apparu clairement que vous n'avez rien à dire. Hein.
Avec mon producteur, oui. Ouais, Jimmy Levy, grosse prod. Jimmy Levy, oui, mon producteur, qui m'a demandé, bon, j'aimerais bien produire un spectacle avec toi. Et moi, je lui ai dit, j'ai rien à dire. Mais il m'a dit, bah, comme tout le monde. Alors, énorme prod, hein, la publicité dit 600 costumes, 8000 figurants, 150 chevaux, 4 orchestres philharmoniques et une prostituée roumaine. Oui, oui, oui. Mais qui va faire l'essentiel du spectacle. Moi, je serai beaucoup en coulisses, je ferai sa doublure bide. C'est-à-dire, dès qu'elle fera des mauvaises blagues, je viendrai prendre les bides, parce que ça, je sais bien faire. Alors, 6h45 de spectacle, sans entracte, ramené à 18 minutes, le jour où vous avez décidé de couper toutes les phrases où il y avait beat. Oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Bah, il y en avait 6h37, ouais, bah oui. Ouais, quasiment. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis largué avec mon Zizi, là. Ah, c'est fini. Il faut que je fasse une deuxième version. Oh, oui, non, mais maintenant, on dit le Brakma, on dit des trucs alors, qui sont. Ça, on le disait bien avant. Mais bien c'est revenu avant. Un petit peu à la mode, le chibre, le chichi. Ah bon? Bah, il a trouvé le sgeg tout à l'heure, hein, y a pas, sans souci. Le zboub. Facebook, on pourra encore lui donner des cours. Oui, oui. La télé, c'est fini, hein, vous la regardez même plus. J'essaye de la regarder le moins possible et je m'en porte pas plus mal, vraiment. Vous aimez pas ça, la télé? Vous dites, par exemple, la télé, c'est bidonné. Quand il y a des interventions de flics pas assez musclés, on refilme la scène. Ouais, bon, j'apprends rien aux téléspectateurs en disant ça, ça arrive assez fréquemment, ouais. Ouais, ouais bien sûr. Et à ce sujet-là, il y a Charles Villeneuve qui est pas content. J'en profite pour le dire. Je voulais pas le citer, mais bon. Non, mais il est pas content. Parce que Julien Drey est venu dans cette émission, il a dit exactement ce que vous avez dit à ce journaliste, et il dit que c'est pas vrai. Non, bah alors même, mettons que Charles Villeneuve, ce soit pas vrai, moi j'en ai vu d'autres, je vais pas dire sur la chaîne sur laquelle je travaille, mais bon, j'ai pas travaillé sur d'autres chaînes, mais tout le monde le fait, et... Ouais. Et tout le monde utilise ces petites ficelles assez faciles pour aller tirer les larmes, les émotions du téléspectateur. Mmh. Et je pense que la télévision devrait revenir à ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire d'un côté vraiment informer et de l'autre côté vraiment divertir. Ouais, ouais. La télé-réalité, ça vous plaît pas beaucoup non plus. Vous dites les gens de la télé finiront par le payer un jour. Ouais, je pense. Ouais. Mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec Nicolas Taverneau, le président directeur général d'M6. Nico, je t'embrasse. Mais... Ouais. On crée des situations artificielles pour aller chercher des émotions qui sont vraies chez les candidats, qui souffrent vraiment, qui sont joyeux vraiment, pour aller susciter l'intérêt des téléspectateurs, etc. Nous, je trouve qu'à côté de ça, nous, les saltimbanques, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? Comment voulez-vous qu'une tarte à la crème ou un coussin péteur ou une femme à barbe, ça fasse encore marrer les gens? Quand vous voyez des gens qui pleurent vraiment parce qu'ils ont été éliminés d'un jeu, je trouve que ça va trop loin dans l'émotion, moi. Je pense. Et que c'était rigolo au début, mais là, je pense que c'est un peu trop violent. Quoi. Il a une certaine sagesse, je trouve. Pour il a mûri, hein. Bah ouais, j'ai changé. Je vous avez vu, j'ai toujours pas montré mes fesses. Ouais. Alors, je me suis embourgeoisé, comme tout le monde à la télé. Voilà, t'es là, tu viens, t'es bourgeois, tu vois, je monte même plus mon cul. Non, mais je suis sûr, en plus, que ce que je dis, tout le monde le pense. Vous regardez la télé-réalité, Pierre? Non. Mais il n'y a pas que la télé-réalité, hein. Ouais. Il y a aussi des gens qui, sur leur plateau, accueillent des malades au troisième degré pour aller chercher les applaudissements du public. On l'applaudit, il va mourir, bravo, c'est formidable. Ouais. Voilà. Il a raison. Il a raison, ce petit. Je te donnerai ton petit billet. Michael Younes, Igal, le 7 janvier. Ça s'appelle Plus qu'à poil. Temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Fais le bien. Aïe, ça va chauffer velu. Que pensez-vous de cette interview jusqu'ici, Michael Younes? C'est le bilan. Écoutez, je pense, Thierry, que jusqu'à présent, j'ai été moyen plus. C'est-à-dire que le plus, c'est parce que j'ai été relativement sincère, honnête. J'essaye pas de me cacher. Moyen, parce que, bon, bah voilà, niveau blague, 13, 14 sur 20, j'aurais pu être plus marrant, mais d'un autre côté, je prévois de raconter plus de blagues dans la deuxième partie de l'émission. Alors vous savez maintenant dans cette émission, si on est bon, on peut être récompensé. Ah. Avec ça. C'est Seychelles. Ça c'est la récompense. Ça y est, on gagne un voyage? Non, on a ça, c'est tout. Et sinon, il y a la punition. La maison elle-même a été construite autour de 1770. C'est Monsieur Reculé qui avait obtenu la concession, qu'il vend pour la première fois à une demoiselle Montmirail qui va passer de longues années ici.
Et cette demoiselle Montmirail va vendre la maison aux Robinson, les Anglais fraîchement arrivés après la conquête de l'île. Moi, je veux la punition, c'est plus marrant. C'est plus marrant, la punition. Je vais essayer d'être bien mauvais. On va faire une petite interview dont on a le secret dans cette émission. Une interview à l'envers. Interview à l'envers. Michael Youn, c'est pas compliqué. Je fais les réponses et tu fais les questions. Première réponse, Benayoun. Quel est le vrai nom de Jean-Marie Le Pen? Armand, c'est mon vrai nom. Monsieur. Deuxième réponse, à poil. À poil. Comment était Raffarin quand tu l'as vu pour la dernière fois? Bah, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Moins d'un mètre 80. Ah, j'hésite. Ouais. J'hésite entre deux questions. Quelle est la taille de mon sexe? Bon, mais ouais. Ça, c'est un peu facile. Ouais. Donc, j'irai dans du méchant fastoche. Quelle est la taille de Mimi Mati? Moins d'un mètre 80. Non, allez, je la retire. Allez, je la retire. Et vous savez que ça, c'est légal. Hein. Ouais. Dans l'univers de la blague, quand vous avez une blague qui est mauvaise, si vous vous en rendez compte avant qu'on vous dise c'est pas bon, ouais. Vous avez le droit de lever la main et dire je la retire. Donc, celle-là, je la retire. Donc, c'est comme si je l'avais pas dit. M6. M6, qu'est-ce que vous... Michael, qu'est-ce que vous aimez qu'une fille vous fasse en premier? Numéro 1 des ventes. Qu'est-ce que Kenza du Loft 1 ne sera jamais? Ouais, c'est monsieur. Pierre, vous connaissez Kenza? Non. Non, bah, moi non plus. Plus personne ne la connaît. C'est ça le malheur. C'est ça le drame de l'affaire en plus. Standardiste. Qui est devenu Lionel Jospin? Oui, oui. Ouais. Le court Florent. Quel est le contraire de le long Florent? Ouais. Ah, pas mal. Oh, ça va! Excusez-moi! La maison elle-même a été construite autour de 1770. C'est monsieur Reculé qui avait obtenu la concession, qu'il vend pour la première fois à une demoiselle Montmirail qui va passer de longues années ici. Et cette demoiselle Montmirail va vendre la maison aux Robinson, des Anglais fraîchement arrivés après la conquête de l'île. Alors, je dois vous le dire, Thierry, ouais. C'est assez délicat pour moi. Mm-hmm. Dans l'état de stress dans lequel je suis à quelques jours du début de mon spectacle, je ne suis pas capable d'assumer ce genre de sifflet, ce genre de colibet. Je ne suis pas capable d'assumer un bide. Ouais. Donc j'ai une doublure bide, ouais, qui vient pour prendre les bides à ma place. Mmh. Il s'appelle Jean-Philippe. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous voulez le siffler, je vais le chercher tout de suite. Et il arrive juste pour le bide. Alors, Jean-Philippe, vous allez voir, comique de situation. Jean-Philippe. Ah, me voilà. Ça va être bien, ce spectacle. On continue. Oui. Porte-voix. Donnez-moi un mot qui ne soit pas porte-jartel et porte-manteau dans lequel il y ait porte. Non, attendez. La maison elle-même a été construite autour de 1770. C'est monsieur Reculé qui avait obtenu la concession qui vend pour la première fois. Pas laissé terminer. Alors, il y avait aussi Porte Nawak et... Ah oui. Et Portique, comme le DJ, Philippe Portique. Voilà, Michael Youn, plus qu'à poil, à partir du 7 janvier à La Cigale, et en attendant, dans un tas de villes en France.
J'accueille maintenant Jacques Vergès. Vergès, Michael Youn, c'est vrai que l'assemblage est assez hétéroclite, mais bon. C'est pas qu'un jour je serai assis à côté de vous. Mais j'ai rien fait. Sans être accusé, sans être accusé. Non, non, j'ai rien fait, je vous le jure. C'est pas moi qui l'a tapé. Alors, Jacques Vergès, deux sorties simultanées. D'abord chez Plon, le dictionnaire amoureux de la justice. Lui aussi fait des dictionnaires. Vous avez vu, tout le monde fait des dictionnaires. Et aux Presses universitaires de France, un que sais-je consacré aux erreurs judiciaires. Alors Jacques, on va commencer par dire deux mots d'une affaire que vous abordez d'ailleurs dans les deux ouvrages que je viens de citer. C'est l'affaire Omar Radad. Alors à la mi-octobre, vous avez demandé un nouveau procès en vous appuyant sur deux éléments nouveaux. D'abord une expertise graphologique du fameux Omar m'a tué, ER, hein. Où maintenant on n'est plus tellement sûr que ça serait Madame Marshall qui l'aurait écrit, premièrement, et deuxièmement une analyse génétique. On a retrouvé deux ADN masculins sur la porte, des ADN qui sont inconnus, et en tout cas ce ne sont pas ceux de Omar Radad. Donc en vous appuyant sur ces deux faits nouveaux, vous avez demandé un nouveau procès, et on saura le 20 novembre si c'est accepté ou pas. Pourquoi Omar veut faire ce nouveau procès? Est-ce qu'il risque pas de retourner en prison? Eh bien, écoutez, le cas de Omar est simple. S'il était coupable, il est en liberté, il n'est pas expulsé, il a un boulot, ouais. Il dirait tant mieux. Ouais. Mais il est innocent, ouais. Et il veut rétablir son image. Et il pense qu'aucun procès ne peut établir sa culpabilité. Donc, il veut absolument qu'on reconnaisse qu'il est innocent. Ouais. C'est assez lourd pour quelqu'un de jeune de passer pour coupable d'avoir tué une femme de 15 coups de poignard et de 4 coups de madrier sur la tête. Ouais. Et tout ça comme explication pour piquer 2000 francs dans le sac à main. Ouais. Est-ce que ce n'est pas pour être indemnisé par l'État? Parce que pour le moment, il est amnistié, donc effectivement, il ne peut pas toucher d'indemnité de l'État, mais c'est quand même quelqu'un qui a passé 7 ans en tôle. Quand il est parti, il avait un bébé de 4 mois, un garçonnet de 8 ans. Aujourd'hui, celui qui avait 4 mois, il a 7 ans, et celui qui avait 8 ans, il a 15 ans. Ça, il veut le faire payer à l'État, puisqu'il y a eu une erreur judiciaire, comme vous dites. C'est pour toucher ces indemnités qu'il fait ce procès aussi? Non, l'explication que vous venez de donner, il suffit. Ces deux gamins, à l'école, ont entendu, ou dans la rue, toutes sortes d'histoires sur leur père. C'est ça surtout qui le motive. Ouais. Maintenant, pour le fric, si ça doit arriver ensuite, tant mieux, mais ce n'est pas la raison principale. Alors, quand on feuillette votre dictionnaire à vous, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde fait des dictionnaires, vient à l'esprit la fameuse phrase de Voltaire, « Je combattrai jusqu'au bout vos idées, et aussi pour que vous ayez le droit de les exprimer », qui est un petit peu la devise de cette émission, d'une certaine façon. Alors, vous êtes Jacques Vergès, un homme contre, vous excellez à prendre le contre-pied des choses, et c'est pas étonnant que vous soyez le théoricien du procès de rupture. Alors, parlez-nous du procès de rupture. Comment vous définiriez le procès de rupture, qui est votre marque de fabrique? La justice, en général, est faite pour régler des problèmes consensuels. Ouais. Je suis locataire, tout d'un coup, je ne peux plus payer mon loyer, j'explique au juge les difficultés que j'éprouve, et on essaye de me trouver un délai pour payer. Ouais. Bon. Ça, c'est la justice de tous les jours, telle qu'elle devrait fonctionner, ouais. Et telle qu'elle ne fonctionne pas d'ailleurs toujours. Par contre, il arrive des moments où le juge devient sourd et aveugle. Le dialogue n'est plus possible. Bon. Dans quelle situation? Par exemple, dans les conflits politiques. Bon. Là, c'est des questions de principe, les gens ne s'entendent plus. L'un dit « je suis algérien », l'autre dit « mais tu es français oui. ». L'un dit « je suis résistant », l'autre dit « tu es un malfaiteur oui. ». Manifestement, le dialogue, c'est deux monologues qui se croisent, et là, nous sommes dans ce que j'appelle la rupture. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut se passer aussi. C'est dans le cas des erreurs judiciaires qui sont parfois des crimes judiciaires. Par exemple, vous avez, dans l'affaire Dreyfus, on commet un expert nommé Bertillon. C'est un grand savant. On lui dit « cette écriture est-elle de Dreyfus ?» Il dit « absolument ». Mais on lui dit « mais il y a des différences ».
Il dit, mais c'est qu'il a changé son écriture exprès. Bon, c'est-à-dire que là, manifestement, ce n'est plus un dialogue. L'un a décidé à l'avance que vous êtes coupable. Et à ce moment-là, quel est le recours? Le recours, c'est l'opinion publique. C'est le peuple. Et c'est ce que j'appelle la rupture. On quitte le tribunal pour poser le problème devant l'opinion. Alors, remise en cause donc de la légitimité de la Cour, hein, c'est-à-dire pourquoi me jugez-vous, de quel droit me jugez-vous, voilà le procès de rupture. Et puis l'accusé devient accusateur, c'est-à-dire qu'il retourne le système et au lieu de se laisser accuser, il accuse la Cour. Exactement. Ouais. Alors je disais que vous étiez un homme contre, il y a une phrase de vous qui explique votre attitude d'opposition, je dirais quasi systématique, Jacques Vergès. Vous avez dit « Ma mère n'avait pas besoin de porter l'étoile jaune, elle était jaune de la tête aux pieds. » Ben oui, ma mère était vietnamienne. Ouais. Mon père était consul de France en Thaïlande. Ouais. Quand il a fait un enfant à ma mère, on l'a foutu dehors. Ouais. Bon, de sorte que je ne peux pas vous dire que j'étais conscient, j'étais un bébé. Mmh. Mais enfin, donc, ça m'a marqué quand même. Ouais. Donc vous en prenez à toutes les vaches sacrées de l'époque, à commencer par les droits de l'homme. Hein. C'est quelque chose que vous remettez en cause. Vous dites, en voulant imposer sa vision du monde au reste du monde, l'Europe nie les cultures et les histoires des autres pays. Quand on essaye d'exporter nos valeurs à nous, ça donne le colonialisme. Écoutez, quand on essaye d'exporter nos valeurs sont estimables, respectables. Mmh. Pour nous. Oui. Mais quand on essaie de les exporter, en général, c'est avec une intention qui n'est pas très claire. Oui. Le Christ est un dieu d'amour. C'est au nom du Christ qu'on a massacré tous les Indiens d'Amérique. Bon. La liberté de navigation est une chose nécessaire. C'est au nom de la liberté de navigation qu'on a conquis l'Algérie. La liberté du commerce, c'est quelque chose qui est souhaitable. C'est au nom de la liberté du commerce qu'on a fait la guerre, trois guerres de l'opium à la Chine, pour imposer la consommation de l'opium fabriqué en Inde aux Chinois. Ouais. Et donc, aujourd'hui, au nom des droits de l'homme, on intervient à droite et à gauche, ouais. On fait des blocus où des enfants meurent. C'est le même phénomène. Bon. Et moi, je suis pour que chacun, chez soi, vive comme il entend vivre. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est mal barré, hein? C'est mal barré, ah, oui. Ouais. C'est pour ça que le danger étant imminent, il faut se mobiliser. Mais vous avez été un des premiers à tenir ce genre de discours, Jacques Vergès. Aujourd'hui, il y a un mot qui a beaucoup de succès dans la presse, dans les médias. C'est le mot « droit de l'homisme », pour parler des zélateurs des droits de l'homme. Au début, c'était un mot qu'on trouvait dans la presse d'extrême droite uniquement. Maintenant, on le trouve un peu partout. Et alors, l'usage de ce mot « droit de l'homisme » indique que ce n'est plus un absolu, les droits de l'homme, mais que ça devient une idéologie comme les autres. Absolument. Et je suis très heureux aujourd'hui, vous le rappelez, d'entendre un ministre, un des plus importants du gouvernement, parler des droits de l'homisme. Oui. Dans France, nous avons, au temps des Lumières, Montesquieu écrivait un livre où il disait « Comment peut-on être persan ?» Oui. Moi, je pense qu'on devrait comprendre aujourd'hui qu'on peut être persan, que le persan comprenne qu'on peut être français aussi, et que le français comprenne que le persan peut être persan. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur universelle au niveau mondial. Parce qu'à ce moment-là, si vous êtes contre l'exportation de nos cultures, contre cet européocentrisme que vous dénoncez, ça veut dire que vous êtes d'accord pour l'excision, pour la lapidation, pour la polygamie Non, la polygamie, ça, c'est un autre problème. Mais l'excision, c'est la lutte dans le pays. On doit aider les gens qui sont dans le pays, leur apporter notre sympathie. Oui. Il n'est pas question de nier la solidarité. Oui. Mais on ne doit pas arriver avec une canonnière pour dire, vous, hein, vous faites des excisions, et bien maintenant on va faire un gouvernement militaire chez vous et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Non, ça c'est pas possible. Ouais. Alors vous en prenez aux droits de l'homme, et puis il y a aussi une notion à laquelle vous vous en prenez, c'est la notion de crime contre l'humanité. Vous dites que c'est une notion obscène, qui ne s'applique qu'aux crimes commis par les autres, alors quand il est question de Hitler, de Staline, de Pinochet, effectivement ce sont des criminels, mais les responsables socialistes de la guerre d'Algérie ne sont pas coupables, dites-vous, de crimes contre l'humanité. Vous n'êtes pas d'accord? Je me permettrai pas de dire que je suis pas d'accord, je suis un peu sceptique, c'est pour ça que je vous regarde avec les sourcils qui froncent. Je suis un peu sceptique. Voilà, le problème c'est, pendant la guerre d'Algérie, j'ai dénoncé la torture. Ouais. On m'a dit, vous êtes un affabulateur, vous êtes un menteur, vous êtes un traître. Et puis aujourd'hui, le général Ossarès, le général Borgne, dit, j'ai passé mon temps à torturer. Et on dit, il commet un délit de presse. Oui. Parce que c'est amnistié. Voilà le stratagème, voilà le scandale que je dénonce. Mmh.
Donc vous remettez en cause les droits de l'homme, la notion de crime contre l'humanité, le tribunal pénal international de La Haye, décidément vous les accumulez, à qui vous déniez toute légitimité pour le coup. Écoutez, vous savez que ce tribunal pénal international de La Haye... Il faut dire que c'est là où comparait Milosevic. C'est comparé M. Milosevic. Ce tribunal... Je vais vous dire. Milosevic, vous n'êtes pas obligé de dire monsieur. C'est son client. C'est tribunal. C'est pas vrai. Ben... Oh non. Ce tribunal, non. À ce tribunal, vous savez que ce tribunal accepte des contributions de donateurs. Oui. 14% du budget viennent de pays hostiles à la Serbie et viennent même de particuliers. Monsieur Soros, qui est un boursicoteur heureux, chanceux, tant mieux pour lui. Soros mais enfin, finance le tribunal. Finance le tribunal pénal international. C'est ouais. pas possible. Ouais. Si demain je suis traduit devant le tribunal français pour une question de loyer et que j'apprends que mon propriétaire subventionne mon juge, je dirais c'est pas possible. Mmh. Or là, nous sommes dans cette situation. Voilà un exemple. Vous avez des témoins qu'on présente masqués. Mmh. C'est pas possible. Quand un type me dit « je vous ai vu », je dis « mais qui êtes-vous » Ouais. Où est-ce que j'ai pu vous rencontrer? Là, ce n'est pas possible. Marquez, en France, maintenant aussi, il y a des témoins sous X, hein, ça va arriver. Là. Oui, mais là, ouais. c'est justement la gangrène qui se répand. Ouais. Ouais. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'on peut arriver à dormir quand on défend Milosevic? Mais bien sûr. Parce que, vous savez, l'avocat est là pour faire quoi? Pour défendre. Et il défend qui? Il défend non, ceux qu'on poursuit. Oui, bien Et, sûr. Ceux qu'on poursuit, quand on dit « vous n'avez pas le droit de défendre », nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans un État totalitaire. C'est seulement dans un État totalitaire qu'on dit « les Juifs sont coupables, ce n'est pas la peine de les défendre, les Koulaks sont coupables, ce n'est pas la peine de les défendre ». Dans une démocratie, on défend tout le monde. Et... Bon, ce n'est pas le système que je remets en cause, oui. parce que j'admets qu'on défend tout le monde. Mais dans votre chanson « Une minute de soleil en plus », vous parlez de Milosevic. Ah, complètement. Ouais. Et donc le problème, c'est « tout le monde a le droit d'être défendu ». Mais plus l'accusation est lourde... Plus le devoir de défendre est grand. Non, mais là, je parle de l'avocat. Mais l'avocat, justement. De l'homme. Mais c'est son métier. En l'occurrence, oui. De Jacques Vergès. Ben oui. Il faut arriver à dormir. Il faut arriver à dormir paisiblement quand mais on écoutez, défend. Écoutez, quand vous avez, quand le Shah d'Iran a été renversé, il avait le cancer. Il était au Mexique. Pour se faire soigner, il a pris le plus grand spécialiste français, un professeur connu, qui avait combattu la politique du Shah. Et vous savez ce qu'a fait ce professeur connu? Il a pris l'avion. Son métier, sa fonction est de soigner. Non, et même un ennemi, il est allé le soigner. Non mais c'est vrai, Jacques, c'est vrai que vous les accumulez quand même. Milosevic, il y a eu Barbie, enfin il y a eu quand même pas mal de... Voilà. Vous avez le sens des clients difficiles, on pourrait dire. Vous qui voulez les défendre, en fait. Ben, vous savez, le problème, c'est ceci. Si j'étais médecin, j'aurais préféré avoir fait la première greffe du cœur que soigner 1000 cas de grippe. Les cas de grippe sont pas indéfendables. La greffe du cœur, c'est un défi. C'est la même chose. Je ne comprendrais pas un médecin qui dirait « je ne soigne pas le sida parce que c'est dégoûtant, c'est plus un médecin ». Alors donc, sur le tribunal pénal international de La Haye, pour en finir, vous lui reprochez effectivement d'être financé par des pays ennemis de la Serbie, par des particuliers, vous l'avez dit, comme George Soros, et puis surtout de juger des faits antérieurs à sa création. Ce tribunal a été fondé en 93 et il s'occupe de faits survenus en 92 et 91. C'est ce qu'on appelle la rétroactivité de la loi pénale qui est contraire à toutes les déclarations des droits de l'homme. La France n'a connu ça qu'une fois dans son histoire. C'était pendant l'occupation. Ouais. Mais c'est pour le tribunal pénal international de La Haye. Ce n'est tout de même pas un précédent glorieux. Bien, enfin vous allez loin quand même. Heureusement que vous êtes rentré dans les forces françaises libres à l'âge de 17 ans parce que ça vous couvre. Parce que par exemple sur Garaudy, vous défendez Roger Garaudy. Alors il faut dire à nos plus jeunes téléspectateurs, Roger Garaudy c'est un homme politique français du Parti communiste qui est devenu révisionniste. J'imagine quand même que pour bien défendre quelqu'un, il faut un petit peu épouser sa cause. Et quand on lit dans votre bouquin votre plaidoirie pour Garaudy, on se demande si vous n'êtes pas devenu un révisionniste. La façon dont vous décortiquez en disant « Garaudy dit ça », ça a été dit par un professeur de l'Université de Jérusalem. Il y a les révisionnistes et il y a la loi Guesso. Oui. Qui interdit... Dites à nos amis ce qu'est la loi Guesso. Alors, la loi Guesso, c'est on n'a pas le droit de remettre en cause toutes les décisions du tribunal de Nuremberg. Ouais. Le nombre de morts est discuté. Ce sont des faits historiques. Et... On interdit un débat à ce sujet. Je ne défends pas M. Garaudy. Je combats la loi Guesso qu'on prétend lui appliquer. Et parce que la loi Guesso interdisant de discuter de problèmes historiques qui relèvent d'un débat finit par faire
du révisionniste, s'il y en a un type crédible. Parce qu'on dit, on veut lui fermer la gueule, c'est donc que ce qu'il dit est peut-être vrai. Mmh. La loi Guesso aboutit à un résultat inverse de ce qu'on a voulu. Comment ça se fait que c'est tout le temps vous qui les défendez, ce qu'on appelle les indéfendables? Pourquoi c'est tout le temps vous? Vous êtes le seul à vouloir les défendre ou c'est quelque chose que vous aimez bien faire? Alors là, je vous dis... Est-ce que vous prenez du plaisir, enfin du plaisir professionnel bien sûr, à défendre ces indéfendables? Alors là, je vous dirais pourquoi je les défends. C'est que quand un type est dans une situation difficile, il me désigne. Et moi, je considère qu'à partir du moment où un type qui est poursuivi me désigne, j'ai le devoir de le défendre si... À chaque fois, c'est eux qui vous choisissent. Si, bien sûr. Si mon système de défense lui agrée. Oui. Si, quand je défends un ancien SS, il me dit « Vous allez défendre les idées d'Adolphe », je vais lui dire non. Mm. Mais si on va discuter de certains faits, là-dessus, je peux le faire. Oui, ce que vous dites au sujet de Barbie, votre plaidoirie, c'est de dire Barbie était un instrument, un des soldats de l'armée d'occupation allemande à l'époque en France. C'est à ce titre-là que vous le défendez, Barbie. Et il était numéro 3 ou 4 de la hiérarchie. Oui, oui. Imaginez, hein, c'est un exemple, que Adolf Hitler ait survécu à la prise de Berlin par les Russes et qu'il vous ait demandé de le défendre. Vous l'auriez défendu? Si son système de défense pouvait correspondre à ma conscience. Ça veut dire bon, quoi? Je ne peux pas, je ne suis pas un mercenaire, je ne vais pas défendre un jour un communiste en défendant les idéaux du communisme, oui. Ensuite un nazi en défendant le racisme. D'abord, le racisme, ce serait difficile à moi de le défendre. Mais ceci étant, si il s'agit d'expliquer certaines situations, pourquoi pas? Mais il faut encore qu'il soit d'accord. Et dans son cas, je pense qu'il devrait plaider coupable. Si un type qui est coupable me dit « je plaidais mon innocence », je dirais « c'est un système qui est absurde bon. ». Vous refusez parfois quand il y a des éventuels clients qui vous appellent? Est-ce que parfois vous refusez? Je refuse souvent. Il refuse que les innocents. Je refuse souvent. Ce que dit Pierre Perret est vrai, les innocents sont poursuivis aujourd'hui par la justice. Oui. Dès qu'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, en fait, vous l'aimez bien. Eh ben oui, j'ai l'esprit de contradiction. Jacques, il y a une question rituelle entre nous, depuis plusieurs années. Jacques Vergès, vous avez disparu entre 1970 et 1978. Oui. Vous n'avez jamais dit où vous étiez. On a dit que vous étiez chez Pol Pot, un copain de fac à vous. On a dit que vous étiez avec le terroriste Carlos. Vous allez nous le dire ce soir. Ma vie privée, ma vie privée, c'est la mienne. Comme votre vie privée est la vôtre, je demande à personne ce qu'ils ont fait les deux dernières nuits du dernier week-end. Non mais 8 ans, Jacques. C'est une nuit qui a été prolongée. On rallume. On n'y arrivera jamais. Vous le direz un jour? Peut-être, mais je ne vois pas trop l'utilité. À moi, c'est un des grands mystères que je rêve d'élucider. Savoir ce que vous avez fait pendant ces 8 ans. Il l'a dit, il était avec des amis, il était avec Klaus Barbie, Milosevic. Ils ont fait la fête. On va maintenant savoir si le one-man show de Michael Youn va être un succès ou un bide, puisque voici Yagel Didier. Yagel Didier, bonsoir. Vous êtes une très célèbre médium et vous recevez dans votre appartement du boulevard Saint-Germain des hommes politiques. François Mitterrand. Oui, Mitterrand, oui. Chirac. Des hommes d'affaires, mais elle ne te le dira pas. Des chanteurs, des acteurs, des animateurs télé. Alors Yagel, en dehors de votre travail de voyance, vous publiez des livres historiques comme « Leur vrai destin » avec Michel de Grèce ou « Les grandes voyances de l'histoire ». Car en plus de votre voyance pour l'avenir, vous avez un autre don qui est celui de vivre dans le passé. Ça a commencé lors d'un concert qui était magnifique. Et tout d'un coup, j'ai vu à 1 mètre de la scène une farandole de femmes du siècle passé qui dansaient. Et je me suis dit, je ne peux absolument pas raconter ça, on va me prendre pour une folle. Marqué. Et il y en a qui peuvent le penser, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dans les années 70.
Bah, y allait les petits lots, les champis et tout et ça. À la fin, et à la fin du concert, je suis allée voir la princesse de Chimay. Je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous raconte ce que j'ai vu. Et j'ai décrit les personnages. Elle m'a dit, mais est-ce que vous pourriez, je vais vous montrer dans le salon des tableaux, est-ce que vous pourriez les reconnaître? Et effectivement, j'ai reconnu les quatre femmes qui faisaient leur petite farandole comme ça. Alors, quand vous rencontrez celui qui deviendra votre second mari, Patrick de Bourgues, vous lui prédisez un avenir. Ça marche le coup. Elle lui dit, vous allez avoir un avenir auprès d'une femme pas comme les autres. C'est vrai. Hein? Modeste, en plus. Une femme mariée avec un petit garçon. J'avais pas vu que c'était moi. Et je l'ai regardée. Tout d'un coup, j'ai été poussée à lui dire, écoutez, vous allez rencontrer une femme qui est brune, qui a les cheveux tirés en arrière et qui a un enfant, qui divorcera pour lui. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait comme métier? J'ai dit, écoutez, c'est bizarre, mais enfin, drôle de métier. Je ne sais pas, mais enfin, drôle de métier. Et un an et demi après, c'était moi. Mais je vous jure, je n'ai pas dragué. C'est bon, le coup. Hein. Bon, enfin, en tous les cas, c'est Patrick de Bourgues, votre second mari, qui vous a présenté Michel de Grèce, oui. Avec qui vous avez commencé donc ces fameuses expériences. Absolument. On a fait à peu près une trentaine d'expériences. Et je dois dire qu'à chaque fois, je suis la première surprise. Je dis toujours, je suis comme le ravi de la crèche. Ouais. Je n'en reviens pas moi-même. Et je dis toujours, mais c'est vrai, ça, est-ce que c'est possible? Tout a été enregistré, tout a été fait avec des témoins, ouais. Je veux dire, des gens très sérieux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait comme ça. Et dans ces cas-là, vous êtes dans une sorte de transe parce que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous... Je ne suis pas en transe du tout. Je suis dans un état, disons, de concentration intense. Je ferme les yeux et je me laisse aller, voilà. Je parle. Voilà. Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a cette fameuse histoire du Saint-Suaire. On met une photo du Saint-Suaire dans une enveloppe en craft et vous voyez des hommes en blouse blanche. Alors vous dites qu'il y a des hommes en blouse blanche à l'intérieur de cette enveloppe. Alors les gens qui sont avec vous vous disent « bah non, c'est pas ça, ça n'a pas marché ». Et en fait, la photo du Saint-Suaire avait été découpée dans un journal, dans un magazine, et au verso, il y avait un laboratoire américain avec des scientifiques qui faisaient des recherches. Oui, ça m'est arrivé très souvent. Maintenant, les gens qui me testent et qui me font faire ces expériences font très attention, parce que si derrière il y a une autre photo, il y a ce qu'on appelle une interférence. C'est-à-dire comme s'il y avait une espèce d'imprégnation, ah oui. Et que je capte un petit peu tout. Mais qui sont ces gens? C'est les gens à qui on peut se fier, des gens officiels qui peuvent leur donner un compte-rendu, ou c'est des amis? C'est ceux qui nous dirigent en plus, Pierre, hein. C'est ça qui est inquiétant. Il y a des historiens, il y a des scientifiques, il y a des gens très très sérieux, bien sûr. Il y a des gens puis on peut faire ça avec des amis, vous savez, tous les étés en vacances, c'est un peu la contribution. C'est comme ça que vous payez vos vacances en même presque. Temps. Presque. Lorsqu'on est, il faut que je sois très en forme, très détendue, à ce moment-là, ouais. On me met une enveloppe cachetée, un document, et je pars comme ça, je raconte ce que je vois. Pierre, il y a une expérience très intéressante, c'est journaliste de Elle, on ne peut pas les soupçonner. Ouais. Bah non. Si, on peut les soupçonner de plein de choses. D'autres choses. Enfin bon, pas d'être des complices. Alors, elles mettent dans une enveloppe en craft le sexe de David, hein, de Michel-Ange. Juste le sexe. Et vous décrivez pas un sexe, mais vous décrivez la bataille d'un géant. Absolument. Contre quelqu'un de plus petit. Ouais. Et donc, vous restituez l'idée de David contre Goliath. Voilà. Oui, parce qu'elle voulait me piéger. Alix de Saint-André, entre autres, s'est dit, ça va être drôle, on va lui mettre le sexe, elle va partir pardon, dans une histoire de quéquette, ça va être très drôle. Et puis, un jour, vous vous promenez au Trianon et vous entrez en contact avec la reine Marie-Antoinette. Là, on est allé, j'ai eu la chance de visiter le petit théâtre de Marie-Antoinette, ouais. en visite privée. Et Michel de Grèce, qui, entre autres, qui nous accompagnait, m'a dit « Est-ce que vous sentez quelque chose ?» Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai senti, si vous voulez, je me suis imprégnée de l'atmosphère et je suis entrée en empathie, si vous voulez, ouais. Avec l'esprit de la reine. Voilà. Mais Louis XVI était là ou pas? Pas encore, il est venu bien plus tard. Et j'ai eu la chance de travailler avec Franck Ferrand, qui est un historien du 18e, spécialiste. Et lorsque nous avons eu fait plusieurs expériences avec d'autres personnages qui ont concerné, qui ont touché cette époque et qui étaient près de la reine, les expériences ayant été concluantes, on a décidé de poursuivre l'aventure. Voilà, donc il y avait Marie-Antoinette, il y avait Louis XVI, il y avait les frères de Louis XVI. Donc tout ça est publié chez Robert Laffont, Yagel Didier, dans un livre qui s'appelle « Mes conversations avec la reine ». La décapitation, ça fait quoi? Je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de très étrange qu'on ne s'explique pas parce qu'on est un peu dans l'étrange, mais en même temps, quelque chose de très frappant. Au moment, j'étais à champ de bataille, j'ai eu dans les mains le mouchoir de deuil de la reine. Et au moment où elle parle dans le livre de ce moment évidemment affreux, curieusement, sur la cassette, parce que tout ça est enregistré, il y a évidemment des témoins,
Et à ce moment-là, on entend le bruit sec, une espèce de couperet comme ça qui tombe. Et c'est vrai que lorsque j'ai revécu cette scène, j'étais très mal, j'ai beaucoup pleuré, je me sentais complètement vidée. Et je dois dire que j'ai vécu, grâce à ces expériences, grâce à ce livre, quelque chose de complètement inouï, d'assez incroyable, de très osé, de très culotté, je l'avoue. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Franck Ferrand, qui est un historien remarquable. Et à chaque fois, si vous voulez, lorsque... Moi, je ne m'y connais rien en histoire. Je suis quelqu'un de très nul, de très... Je dis toujours, je suis assez en friche sur le plan historique. Et lui, souvent, il est allé voir dans les... À travers les détails que je donnais, il est allé voir dans les archives pour voir si je ne racontais si ça collait, pas. Ouais. Voilà, si ça collait. Il a découvert beaucoup de choses. Si vous Ce qui m'intéresse, Louis XVI, c'était comment il était au lit. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Non, parce qu'il a une telle réputation, ce pauvre Louis XVI, avec son phimosis, qu'on se demande même si c'est lui qui a fait les enfants. Est-ce que c'était un véritable époux ? Ah, moi, je crois qu'il l'a été à un moment donné. Vous savez, je crois que ce qu'on a la découverte un peu, entre autres, de ce livre, c'est que de se rendre compte, d'abord, c'est un homme qui était très, très épris de sa femme, qui était très amoureux d'elle, et qu'elle, au fond, avait beaucoup plus de respect qu'on ne le dit. Elle était très attachée à son mari, et surtout dans les derniers moments où on revit, je veux dire, j'ai vraiment revécu en voyant tout ce qui s'est passé, cette atmosphère tellement lourde, tellement dramatique, et on sent le rapprochement de ces deux êtres. Et ça, c'était très émouvant. Donc, en fait, elle aimait Louis XVI, hein, c'est ce que vous dites dans votre absolument. Bouquin, mais elle est vraiment devenue femme avec Fersen, quoi. Non. Fersen. Non, pour moi, je pense qu'il y a eu une grande histoire d'amour entre eux, mais je ne pense pas qu'il y ait une histoire, elle a on revient à votre histoire de quéquette, de sexe. Elle n'a pas consommé. Avec Fersen. Non, oh, aussi. Moi, on je a ne les pense images. Pas. Ah, ben voilà. Ça, c'est de la bonne blague. Qu'est-ce que vous voyez dans ces moments-là qui ne soit pas déjà dans les livres d'histoire, parce que c'est ça. Sinon, on pourrait vous accuser soit de connaître les livres d'histoire, soit d'être télépathe et de voir ce qu'il y a dans la tête de votre ami Ferrand, l'historien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il ne connaissait absolument pas. C'est évident qu'en voyant, il y a à un moment donné un élément télépathique, mais très souvent, j'ai donné beaucoup de détails que lui ne connaissait pas. Ouais. Alors, votre première expérience, je dirais, paranormale, c'était donc quand vous étiez enfant, un jour où votre mère a été malade, ça s'est passé comment ? J'étais élevée, moi, dans un milieu très, très chrétien, et c'est vrai qu'on nous apprenait à prier, et maman, j'adorais ma mère, et elle était, j'avais 5, 6 ans, 7 ans, je me souviens plus, elle était très malade, et tout le monde pensait qu'elle allait mourir, et moi, je me souviens que je me suis mise à prier, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une expérience extraordinaire, une espèce de révélation, et j'ai su à ce moment-là que tout se passerait bien, j'ai eu une espèce de paix intérieure, et ça a été, c'est vrai, quelque chose de très important pour moi, une espèce de révélation mystique. Alors, vous avez été élevé à Toulon, hein ? Oui. Voilà, ensuite, vous montez à Paris. Oui. Et au début, vous n'êtes pas du tout dans la voyance et dans la médiumnité. Vous êtes la reine du tricot, Yaël Didier. Du crochet. Vous faites faire des fringues au crochet par des concierges et des bonnes sœurs hein, qui travaillaient pour vous. Absolument. J'ai démarré à l'âge de 21 ans. Comme je n'avais pas un sou, je suis arrivée à Paris. Je me suis dit, mais... J'avais pas d'argent pour m'habiller. Je me suis dit, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Je n'avais jamais appris la mode, jamais le crochet. Et je me suis mise, j'ai pris un petit crochet avec des fils. J'ai commencé à m'habiller. Et très, très, très vite, les amis des amis m'ont demandé. C'est parti très vite. Une star du crochet. Alors, pour savoir si vous seriez, c'est extraordinaire la vie, pour savoir si vous seriez une modéliste à succès, vous allez voir un astrologue. Absolument. Qui vous dit, mais vous avez un don de voyance. Oui, absolument. C'est très étonnant, par exemple, quelques temps après, vous voyez comme ça, je sais pas si avec votre boule de cristal, une copine qui se fait les pieds. Absolument. Vous l'appelez, vous lui dites, toi, tu es en train de te faire les pieds. Absolument. Oui, et puis une autre amie aussi, que je vois en Grèce, et c'est étrange, je la voyais sur un âne. Et je l'appelle au bout du jour, je lui dis, bon, est-ce que. Elle me dit, écoute, c'est marrant, effectivement, j'ai fait toute une balade. Sur... Des détails un peu idiots, mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Hein. Oui, mais justement, il était où, Vergès, pendant ces 8 ans ? Ah, bien joué. Ils étaient ensemble, ça se trouve. Alors, contrairement à Paco Rabanne, Yaël Didier, vous ne faites pas de prédictions apocalyptiques, mais, depuis 30 ans, vous avez une vision récurrente, c'est des hordes humaines sur les Champs-Élysées. J'ai eu cette vision qui a été reprise, parce que c'est la seule que j'ai donnée par la presse, parce que j'espère entre nous qu'elle n'arrivera jamais, c'est-à-dire que je voyais des hordes humaines, effectivement, qui descendaient les Champs-Élysées et qui saccageaient tout sur leur passage, et voilà, des choses un peu dures. Je peux voir dans des souvenirs
tes cauchemars, tes rêves. Yagel Didier, vous n'êtes pas au bout de vos peines. On va faire une interview, Madame Irma. Yagel Didier, vous qui êtes si forte, quelle est la prochaine question que je vais vous poser? Je me demande, quelle est la prochaine question que je vais vous poser? Quelle est la prochaine question? Ça vous arrive de lire votre passé pour retrouver vos clés? Non, non. Ça vous arrive d'avoir J'ai du mal et je les perds tout le temps, ouais. Mes clés. Ça vous arrive des fois d'avoir des flashs comme ça sur l'autoroute? Sur l'autoroute, jamais, parce que je ne conduis pas. Je ne conduis pas. T'en fous des réponses. Hein. Est-ce que vous savez lire l'avenir dans les lignes du métro? Non, mais c'est une idée. C'est une idée. Ça, je vais me pencher. Oui. Qui va gagner la Star Academy? Je regarde pas assez. Hein, je dis. Quand vos amis essaient de vous faire une surprise, vous faites l'étonner par politesse? Toujours l'étonner, oui, toujours. Ah, question importante. À part la comédie musicale Cindy, est-ce qu'il va y avoir d'autres attentats à Paris? Merci. Merci. Pierre Perret, je vous salue. Merci d'être venu. Jacques Vergès, je vous salue. Merci d'être venu. Merci à tous les deux. Au revoir. J'accueille maintenant Isabelle Mergaud et Laurent Ruquier. Olivier, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Heureux de vous voir, tous les deux. Yagel Didier, Michael Youn. Alors, dans la série, on a tout essayé. Laurent, je suis allé voir votre pièce. Donc, la presse est unanime au Théâtre des Variétés. Merci d'abord, Thierry d'être venu. On va regarder à quoi ça ressemble. Dis Magnéto Serge. Magnéto Serge. Mieux que ça articule. Magnéto Serge. T'aimes ça, hein? Celle-là, mais elle irait très très bien, non? Mais non, c'est une vieille à Roselyne Bachelot. Ma chérie, j'ai trouvé ta robe pour ce soir. C'est celle-là, regarde. Elle... Oh, mais elle est super. Peut-être un petit peu échantrée derrière, quand même. Oui, on n'a jamais osé un décolleté comme ça depuis Mireille d'Arc. Hein. Mais de qui tu me parles? Ça date du muet. Elle est super, cette robe. Bon, faut que tu te fasses tatouer. Tatoué? Pourquoi? T'as peur de me perdre? Regardez-moi bien en face. Les yeux dans les yeux. Vous êtes dans mes yeux, là? Ah ouais? Attendez. Cet œil-là, vous le mettez là. Là. Celui-là, vous le mettez là. Rabattez-le! Mais absolument, faut pas chercher un sens à sa réaction. Vous avez raison, un peu de stress, beaucoup de monde. Écoute, elle a adoré le film. Elle était prête à faire un très bon papier. Maintenant, elle ne sait plus quoi écrire. Vous savez quoi, Geneviève? Écoutez, Stéphanie est à côté de moi. Je la vois d'ici, au bord des larmes, toute penaude. Elle est prête à s'excuser. J'ai pas du tout envie de parler. Bourré, pas bourré, trop parole, j'emmerde. Oui, ne quittez pas, Geneviève. Écoute, j'ai fait ça pour toi, hein. Maintenant, c'est à toi d'agir. Oui, ne quittez pas, je vous la passe tout de suite, hein. Eh ben voilà. Il voulait pas de sans fil. Il en a un quand même. Voilà. La presse est unanime. Comédie de Laurent Ruquier. Mise en scène d'Agnès Bourri. Ça vous plaît pas de vous voir, Isabelle, vous? Ah, je ne supporte pas, je préfère me mettre à côté de Laurent. Oui, d'accord. Ça va me rassurer. J'ai vendu du blanc aux Allemands ou quoi? Pourquoi vous voulez venir là, Isabelle? Ah, on m'a dit de le faire. Je m'avais trompé de place. Alors, c'est du vrai théâtre, hein, Laurent. C'est un petit peu au théâtre ce soir. C'est une quoi. Comédie de boulevard. Voilà, il manque que Roger Hart et Donald Caldwell. Exactement, mais c'était le but. C'était la petite ambition que j'avais, c'était de recréer du vrai théâtre de boulevard comme à l'époque de théâtre ce soir. Ça se termine en vaudeville. Exactement. La mise en scène, ok. Agnès Bourri existe.
que je vous ai demandé au début, c'était pas un pseudo, je ne connaissais pas. Alors la distribution. Elle a eu du boulot quand même, Agnès Bruy, il faut le dire, parce qu'elle a quand même fait monter sur scène. Je ne parle pas d'Isabelle Mergo qui est comédienne, mais des gens qui eux n'étaient jamais montés sur scène. Gérard Miller, Stevie, Isabelle Alonso, voit, c'est incroyable. Alors la distribution maintenant, donc Isabelle Mergo. Vous, on voit que c'est votre boulot, hein. il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes formidable. C'est mon boulot, mais personne ne sait que c'est mon boulot. Hein. Ça faisait vachement longtemps que je n'étais pas montée sur scène. Bah oui, bah comme quoi, c'est comme le ski ou le vélo, hein. Le ça vélo, se perd ça, pas. Ça, oui. Bah oui, c'est ça. Hein. Vous êtes un petit peu la Maillan ou la Pacôme de Laurent Ruquier désormais, non? Ah, de lui, oui. Ouais. C'est, il me compare toujours à ça, c'est toujours à elle, c'est flatteur. Alors Miller, bon, lui, le... aussi casse-couille qu'en vrai, quoi. Ah ben c'est un rôle pour lui. Ah oui, on voit, c'était écrit pour lui. Ah, parce que... Non, pas au départ, et je me demande même comment l'idée... Enfin, c'est Gilbert Rozon, le producteur, qui a eu l'idée de dire, mais puisque ce type, c'est le type que tout le monde déteste dans la pièce, pourquoi pas demander à Gérard Miller que tout le monde déteste. Il le fait très bien. Alonso, Isabelle Alonso, elle est aussi casse-couille qu'en vrai, quoi, donc... Elle fait le rôle de la gourde du cinquième. Ouais, mais elle le fait bien. Et alors, il y a Stevie. Alors, Stevie Boulay. Alors ça, c'est une énigme. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, attends, c'est une énigme pour moi. Pourquoi est-ce qu'il se donne autant de mal pour faire la folle? C'est ça que je comprends. Parce qu'il n'est pas autant dans la vie que sur scène. Mais oui, on dirait que c'est un rôle de composition. Alors, voilà, j'ai écrit le rôle en pensant à un attaché de presse que j'ai eu vraiment pendant quelques années. Pas celui qui est actuellement, parce que autrement il va faire la gueule en coulisses. Mais on a tous eu au moins un attaché de presse aussi folle que celui qu'on voit dans la pièce. Ouais. Et c'est vrai que Stevie est même obligé d'en rajouter. Il en rajoute, oui, c'est ça. Crédible. Ouais. Enfin, en tous les cas, il arrive à se souvenir du texte, s'en fiche, c'est pas comme moi. Hein. Non, mais c'est très fort quand même. Comment vous avez fait pour lui faire apprendre le texte? Tout le monde, ça, c'est vraiment la réflexion du béotien, ça. C'est une question con, c'est ce qu'il y a de plus facile à apprendre le texte. Ouais, je suis très con parce que je vais voir les plus grands acteurs dans leur loge au théâtre et je leur dis, c'est formidable que vous sachiez le texte. Quand les gens se disent, quel con. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bien. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Et pour parler de Stevie, encore hier soir, une dame vient me voir à la fin de la pièce et me dit, mais vraiment, vous lui direz bravo, parce que on est vraiment venu voir la pièce avec des a priori très négatifs le concernant, et les gens repartent bluffés. Ouais, franchement, il est comédien sur scène. Ouais, ouais, et même Isabelle Mergo n'était pas tout à fait convaincue au départ. Ah oui, j'avais très peur, et il est à mourir de rire. Oui, c'est vrai. Alors, Mesrahi, il est parfait avec son il a un polo avec le col boutonné jusqu'en haut, des manches longues, voilà, les cheveux gras du bide, enfin, que c'est lui. Tout le monde est comme dans la vie. Voilà, c'est Mesrahi. Alors, le problème, à un moment, c'est qu'il vous saute, quoi. Et ça, ça doit être difficile, ça, pour vous, non? Oh, mais ça fait rire tout le monde, hein. Oui, ça, c'est sûr. Oui, et puis je suis censée être amoureuse de lui, et voilà. Ouais. Ah bah, moi, je suis pas gâtée, hein. Je suis la femme de Miller, et j'ai comme amant Mesrahi. J'espère que c'est bien payé, parce que... En tout cas, vous êtes drôlement bien foutu, dis donc. Ah, ouais. Ah, merci. C'est la première fois que je vous vois à poil. Je suis pas vraiment à poil non plus, bon, faut pas exagérer. Attendez, je suis encore plus couverte que sur la plage. Oui, quoi. C'est vrai. Alors Sarraute, Claude Sarraute, alors c'est l'apothéose, le climax de la pièce. Elle arrive à un moment, sur la fin comme ça, elle marche jusqu'au fauteuil. C'est en attendant Sarraute. Elle marche, c'est ça qui est pas la pièce. Elle marche comme ça, elle Sarraute. Se laisse tomber sur ce fauteuil et tout le monde, évidemment, tout le monde est très content de la voir, c'est vrai. C'est vraiment plaisant. Les gens, à un moment où elle arrive dans la pièce, c'est-à-dire à un quart d'heure de la fin, se disent, avaient oublié qu'elle était dans la pièce, à l'affiche. Et d'un seul coup, ils disent, ah mais oui, c'est vrai qu'elle est là. Claude Sarraute. Ben, alors, donc elle est acclamée chaque soir de façon incroyable. Alors, c'est dommage, Isabelle, qu'on ne vous voit pas plus souvent sur scène, parce que c'est vraiment rigolo, quoi. Ah ouais, ça y est, là, vous avez trouvé votre auteur, maintenant. Bah, peut-être, je ne sais pas, j'espère. Oui, bien sûr, vous avez votre vanille. Moi, je l'aimerais bien. Oui, bien sûr. Vous avez déclaré, je n'ai jamais eu d'ambition, ni la niaque. Oui. Oui, je ne me bats pas. Oui. Dans la vie, on se soumet ou on se démet, et moi, je me démets tout le temps. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas d'ambition? Ah non, aucune. C'est marrant, ça. Non. Pourquoi? Bah attendez, je sais pas, je suis foutue comme ça, quoi. Ouais. Parce que y a plein de choses qui m'intéressent. Si on veut pas de moi dans la comédie, bah à ce moment-là, j'écris. Ouais. Si on veut pas de moi dans l'écriture, bah je reste chez moi. Enfin, vous avez fait un rôle dans La Dérobade en 79, le premier rôle, vous dites la pute. Ouais. Ouais, c'était J'avais bien. Une phrase à dire. Ouais, mais c'était bien. C'était quoi la phrase? Monte pas avec elle, elle a la ch'touille. Et ça fait marrer. Ça fait marrer. Ça fait encore marrer aujourd'hui. 13 ans après, tout le monde se marre encore. Et la ch'touille. Et puis après, vous êtes autour de la trentaine, comme ça, vous êtes devenu scénariste. Vous avez déclaré, j'ai lu des scénarios tellement mauvais que je me suis dit, pourquoi pas moi? Ouais. Voilà, donc vous l'avez fait. J'ai fait comme ça, ouais. Vous avez fait un truc très bien, c'est le meilleur espoir féminin avec... Ah, ça, c'est en tout dernier, mais j'en avais fait une dizaine. Vous avez fait pas mal, oui, non, mais c'est bien. Hein.
Bien, Isabelle Mergaud, vous êtes prête pour un anti-portrait chinois. Donc vous connaissez le portrait chinois, c'est... Elle est très inquiète, je la sors pas souvent la petite. D'ailleurs j'ai remarqué qu'elle ne sortait qu'avec vous, Laurent. Non, on la voit jamais sur un plateau télé, en dehors jamais. On a tout essayé, c'est une première, Thierry. Je suis très fier et très heureux de la voir. Donc faut être gentil avec elle. Mais je suis très gentil jusqu'ici, ça va. Gentil, là, pour l'instant. J'ai dit qu'elle était bien foutue, qu'elle jouait bien, tout va bien là. Bon, alors, vous connaissez le portrait chinois, donc c'est si t'étais une fleur, c'était pas... L'anti-portrait chinois, évidemment, c'est beaucoup plus négatif que ça. Si vous étiez... Et vous me dites, je serais, si vous étiez un comique pas drôle. Bah, je serais moi quand je suis dans des émissions télé où tout le monde attend que je le sois. Voilà. Un petit peu comme tous les comiques, quoi. Ouais. Un peu, mine de rien. Ouais. Exactement. Ouais. Bonne analyse. Je partage votre réponse. Si vous étiez un animal malodorant. Alors là, mon chien. J'ai jamais connu un chien, même après son shampoing, il pue encore. Et je confirme. Il s'appelle comment? Stevie. Else. Non. Elle s'appelle Fivette, fécondation in vitro et transplantation embryonnaire. Oh là. Bien, ça doit être sympa. Si vous étiez une émission de TF1. Je réinstaurerais la mire. Ouais. Si vous étiez une maladie honteuse. Une alopécie brutale. Je perdrais tous mes poils, je serais chauve, il me resterait que mon défaut de prendre mon cheveu sur la langue et ce serait la honte. Si vous étiez une manière de mourir. Bah plutôt que de mourir dans un dernier soupir, je mourrais dans un dernier soupirant. Oh. Eh oui. Si vous étiez un fardeau pour vos proches. J'ai pas de proches. Si vous étiez un film qui fait pleurer. Alors là, sans hésitation, Vercingétorix avec Christophe Lambert. Ah oui, oui. On est d'accord. Un médicament. Un cachet, un gros cachet. Un cachet. Il y a qu'ici que j'en ai pas. Vous pourrez les écrire, les pièces, hein, si vous étiez un crime. Un ice cream. Waouh. Si vous étiez une partie du corps pas indispensable. Un double menton. Si vous étiez une coiffure ratée. J'ai rien vu, j'ai juste rigolé. Une choucroute jarret. Une voiture française. Une déesse. Allô? Alors Laurent Ruquier, oui, Thierry Ardisson. Je vous ai réservé une nouvelle interview qui s'appelle l'interview Name Dropping. Donc, interview Name Dropping, c'est des gens qui dans la conversation disent toujours des noms propres comme ça, des stars pour montrer qu'ils sont branchés. Donc moi je vous posais des questions parfaitement imbéciles et vous, vous devez y répondre en mettant dans vos réponses le plus grand nombre de noms propres. Interview Name Dropping. Attention. On va essayer. Comment ça va, Laurent? Écoutez, ça va comme un Sarkozy dans un sondage. Ouais. Je suis plutôt pas mal ici. Ça va comme Michael Youn dans un camp de nudistes. Voilà, ça va très bien, donc. Est-ce que la pièce marche? Alors, écoutez, beaucoup de gens pensaient qu'on allait se jospiner. Ouais. Et total, on raffarine vachement. Et ben voilà. Tu fais quoi après l'émission, Laurent? Je vais tout raconter à Marc-Olivier Fogel. On a dit des noms propres. Tu veux qu'on parle de quoi, là, maintenant?
Bah, puisque je suis venu pour parler du théâtre des variétés, je voudrais dire un mot de Alain et Jean-Paul Belmondo qui nous ont accueillis. Et ils ont eu quand même la folie d'accueillir cette pièce au théâtre. Quand même, cette pièce, j'ai écrite il y a 2 ans. Et il y a quand même pas mal de gens qui me l'ont refusé parce que quand on a une étiquette dans le dos, c'est dur de se la décoller. Et Alain et Jean-Paul Belmondo, eux, y ont cru. Et je crois qu'aujourd'hui, quand ils voient le théâtre plein, il y a 900 places, ils ne le regrettent pas. Voilà, alors merci à eux. Ça va, Laurent? T'as pas trop chaud, là? J'ai pas trop chaud. Eugène Sue, mais pas moi. Ouais. C'est quoi le premier jeu de mots qui te vient à l'esprit avec mon nom? T'es ridicule. Sûrement le premier, oui. Sinon, Lolo, t'as baisé avec Stevie? Ah! Pas plus que toi avec Corti. Eh bien, on est à l'aise chez vous, hein. On va vous laisser, hein. Sérieux, Laurent, qui t'aimerait te taper dans la bande, là? Je suis pas Estelle Hallyday, je baise anonyme, moi. Ah! Oh! Ouh. Il a mis Hallyday, c'est bien. Est-ce que tu as déjà tout essayé? Moins que Rocco Siffredi, mais plus que Jean-Paul II. Il met du nom propre, c'est bien, hein. Alors, Laurent, cette année, donc, il y a la pièce, il y a la radio, il y a la télé. Ça te laisse le temps de faire quoi? Ça me laisse le temps de faire de la promo pour la pièce, la radio et la télé. Et donc, radio. De passer chez Ardisson, Sébastien, peut-être Drucker, on espère, Marc-Olivier Fogiel et tous ceux qui voudront bien. D'accord. Et l'amour dans tout ça? Le week-end, hein, monsieur. Non, il n'y a pas de nom propre, là. T'as déjà pensé à porter les lentilles? Non, je veux vieillir comme Nana Mouskouri. À ton avis, Laurent, qu'est-ce qu'on pense de toi? Qu'est-ce qu'il fout encore chez Ardisson? Laurent Ruquier, la presse est unanime au Théâtre des Variétés, avec toute sa bande. Mise en scène d'Agnès Bourri, mesdames, messieurs. Et maintenant... Voici Sophie et Elise Bextor. Merci beaucoup. Là, je me rends compte que je suis hétéro, tu vois. Sophie, look. What my wife will do to me when I will be back home tonight. Look at it. Ready! Sophie, Elise Bextor, mesdames, messieurs. D'abord, c'était ça. Magneto, Serge. Après, c'était ça. I'll have to play. If you think you're getting away, I won't prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. Et maintenant, c'est ça. Sophie et Elise Bextor, mesdames, messieurs.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On vous a vu dans trois clips merveilleux, le Murder on the Dance Floor. Moi, j'ai passé l'été à le regarder, à le passer en boucle. Oui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que vous regarder comme ça et vous admirer? Well, we can also talk. Bah, on peut parler, hein, si. Ah, yes. Vous voulez qu'on parle? Je peux peut-être. Bien, alors vous avez toujours voulu être chanteuse. Hein, on va faire une vraie interview promotionnelle. Non, je n'ai pas toujours voulu être chanteuse, en fait. J'ai toujours aimé chanter. Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours adoré la musique, c'est vrai. Mais c'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à chanter dans un groupe et que là, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Et le groupe s'appelait The Audience. Je sais tout de vous, tout. Yes, you do. Ah, oui, manifestement, oui. I'm a fan. Ensuite, vous êtes mannequin pendant un petit moment, mais ça ne vous plaît pas du tout, hein. Après l'audience, oui. Mais, oui. But, I'm trying to talk a little bit French. Oh, oui, je sais pas, oh, oui. Français, mais bon. C'est super formidable. Ah ben j'ai ça, s'il vous plaît. If you want to learn to speak French, I've got a song for you. Yeah. You are the one for me, call me that. I like this song. Call me that. You are the one for me, call me that. But how can you see me lovely? I will translate for you. I've already done songs in French, actually. J'ai déjà chanté en français, d'ailleurs. Vous connaissez Jacques Dutronc? Je suis content. La vie est belle, mes enfants. It was a B-side for the audience. Ah. Pour the audience, j'ai chanté ça, d'ailleurs. Et j'ai chanté un single en français aussi. Une pessimiste n'est jamais déçue. It was one of our singles, so I did that. Oh là là, mais vous parlez très bien. Hein, Très vite, surtout. Très vite. Très vite. Très vite, effectivement. La traductrice est au bord du suicide. Mais puisqu'on parle de traduction, est-ce que les en France, les gens savent ce que signifie votre chanson « Rumor on the Dance Floor » ? Il y a un crime sur la piste de danse, mais tu ferais mieux de pas tuer le groupe. Yeah, DJ, ouais, je sais. Je sais. Il y a un meurtre sur la piste de danse. Mais tu feras mieux de pas tuer le groove. Sophie, vous travaillez aussi à faire la musique et les paroles. Hein. Vous n'êtes pas simplement une très très jolie fille. Je fais un peu les deux, ouais. Ouais. J'aime beaucoup écrire. Pendant des années, je ne l'ai pas fait avec le premier groupe. J'ai rien écrit. Puis après, je me suis dit, c'est important d'écrire sa propre musique. Il faut reconnaître que c'est rare, une fille de la dance, du monde de la dance, qui n'est pas seulement un physique, qui n'est pas seulement un look, mais qui sait aussi écrire, qui est intelligente, qui est raffinée, qui est cultivée, qui est tendre. Tu t'es fait plaquer par ta femme ou quoi? Your daughter's in the room. Oui. Je suis dans la salle. Hein. Hey, quand je pense... Non, sérieusement. Quand je pense qu'à 16 ans... Vous vouliez vous faire refaire la mâchoire. Oh, no, it's younger than 16. Ah, yeah, mais non, mais j'avais même pas 16 ans. But je trouvais un petit peu large ma mâchoire, effectivement. Vous voyez, j'ai un visage assez large. Et bon, j'avais 14 ans, en fait. Je voulais remettre les choses un peu en ordre, disons. Mais maintenant, tout se passe bien. J'y touche plus. Ah, vous avez... Non, il y a un truc, en revanche, qu'il faudrait vraiment opérer. Je pense que c'est le nombril. Belly button. I keep it covered up. Yeah. De toute façon, je le cache. Hein, vous ne montrez jamais ce nombril. Hein. Faites-moi plaisir. No, I don't even wear bikinis non, on the beach. Non, je ne porte pas de bikini, même à la plage. Je suis assez timide, en fait, et je trouve que la femme est plus sexy lorsqu'elle suggère plus qu'elle me montre. Et de toute façon, je ne suis pas terrible en bikini. Dites-moi, vous êtes riche maintenant? Yeah, I'm a multi-millionaire. Oui, multi-millionnaire. En plus. Yeah, whenever people ask me, it doesn't really matter. Quand on pose la question, de toute façon, quoi que je réponde, de toute façon, les gens s'imaginent toujours que les stars de la pop sont toujours très riches. Donc maintenant, je dis oui, franco, et voilà. Dites-moi, Sophie, vous avez un fiancé? What's he saying? Do you have a boyfriend? I do have a boyfriend. Yeah. Oui, okay. J'ai un boyfriend, un fiancé. Thank you for doing the reaction as well. Yeah. Merci de vos réactions. But he's not here. Laissez la porte ouverte, hein, Thierry. Sophie Elise Lextor.
Le CD s'appelle Red My Lips. Bon, je m'arrête parce que... T'es pas très bon DJ, hein. Ah, non, mais... Tu sais, quand t'aimes, tu veux tout écouter en même temps, voilà. You stay with us, hein? Yes, I'm staying right here. Yeah. But you can clean up the table because, you know, French guys are very dirty. Je me disais, ça va faire un peu comme le popcorn. Quand on va au cinéma, qu'on mange du popcorn et qu'ensuite on en a partout plein ses vêtements et on se déshabille et on trouve du popcorn partout. Je vais trouver des pétales de rose ce soir en me déshabillant, ça va être super. Trop rapide. On passe au blind test ce soir, un blind test spécial oriental. Et oui, pour arbitrer ce blind test, j'appelle. Monsieur Philippe Corti. Philippe Corti au platine. Et pour jouer avec nous ce soir, j'appelle Arnaud Gidouin et Dan Bollander, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va? C'est Mauricier. Didier, le blind test. Dan Bollander, Arnaud Gidouin, ils font un concours de chemise, hein, en tout cas. Tout ce que j'avais à dire. Bien. Une nouvelle règle. Oui. S'il y a soufflage, il y a... Fouettage. Bravo. Bravo. Oui. Alors, vous connaissez le principe du blind test. Je veux l'interprète, Yagel, hein, c'est pas la peine de me dire le titre de la chanson. Je veux l'interprète, et souvenez-vous, c'est seulement des chansons orientales, hein, attention. Ouais. Alors... Enrico Macias. Bravo. Ça viendra. Philippe. Tarkan, Michael Youn. Bien, Philippe. Oh. Allez, bouge, bouge. Fais-moi Sacha Guitry. Non. Fais-moi des bouges, chérie. Ah oui, impossible à trouver. Fastoche. Moi je sais. Kenza. Kenzi. Kenzo. Moi je sais. Vous n'avez aucune culture. Oh, bah, non, ça, c'est moi je sais, patron. Bon Bazam. Bon Bazam. Alors comment je veux mon bon bah, alors, ton père il va pas être content à toi mon fils. Hein. Oh bah tiens. Philippe. Oui. Dalida. Ouais. Non ok. Ça fait deux points. Oui. Deux points pour l'équipe. Hein, deux points pour l'équipe d'Isabelle Mergo et un seul point pour l'équipe de Yagel Didier. Alors que le proverbe est.
qui dit d'avance est mal servi. Oui. Mais cette fois-ci, nous sommes quand même. Cette fois-ci, on accepte. Philippe. Oui. Philippe Balavoine. Ouais. C'est la Ziza. Bravo. La Et je te veux si tu veux de moi. Dan, je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre François Nourricier de lundi chez Drouan. Merci. C'est passé sur toutes les chaînes. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Ah oui. Très bien. Philippe. Philippe, on peut égaliser là. On est que trois. Ah oui, Didi, comme si. Ah oui, c'est moi, évidemment. Aïcha, écoute-moi. Petit replay. Petit replay. C'est nous, oui. C'est nous. Attention, petit replay. C'est évident. Non. C'est qui? C'est moi. Je suis désolé, attends. Il y a un arbitrage vidéo. C'est pas notre genre de cri, Alain. Ça mérite au moins un demi-point, ça. Pas vraiment très juste. Joe le taxi, baby, voilà des chansons qu'on connaît, nous. Hein. Vous avez une invitée anglaise, il fallait mettre des chansons que je connaisse. Avec uniquement des chansons anglaises. Mais non, mais là, c'est des chansons en arabe, que ce soit en arabe, en français ou en arabe ou en anglais. Ouais. S'il y a contestation, il y a aussi fouettage. Bah oui. Fouettation, ouais. Philippe. Faudel. Tu l'as quand même un petit peu entendu de derrière, non? Il y a fouettage? Il y a soufflage? Il y a soufflage. On ne prend pas le point. Non, on ne prend pas le point, Méline. Il y a fouettage? Méline, on ne prend pas le point. C'est clair. Oh, j'adore ça, j'adore. Aïe! Oh, j'adore. Mais ça, s'il adore, ça ne compte pas. Il y a eu fouettage. Vous aussi, vous voulez y aller? Oui, elle aime beaucoup ça. Elle insiste. Je pense qu'il serait bien d'en faire un faux, qu'elle triche, qu'elle puisse y aller. Voilà. On n'a qu'à refaire le même. La réponse, c'est Patrick Bruel. Attention, Philippe. Machita. Machita, c'est pour lui. Bravo Arnaud. C'était le seul que je connaissais. C'est moins bien quand tu danses. C'est pas vrai. Vraiment, gagne, juste gagne. Attention, Philippe. Facile, ça. Gagel. Alabina. Ouais. Comment? C'est Yagel! Elle m'a donné le nom, c'est Yagel! Je vous demande de vous arrêter. Je tiens à dire, ils ont gagné. Moi, je suis nul en musique orientale, mais alors, on est quand même l'équipe qui a. On a la voyante parmi nous. Elle ne voit rien venir! Alors là, vraiment. Si vous voulez, je sais pas. Non. On vous met le disque dans une enveloppe, on fait quelque chose, tout ce que vous voulez, mais là, faut faire quelque chose. C'est vous. C'est pourquoi c'est lui qui me perturbe. Ah, c'est vrai. Parce que je lui ai passé mon pouvoir et voilà, je vois plus rien. J'ai des vibes. J'ai des good vibes.
Bien, attention. Philippe. Attention. Il était temps, je me réveille. Attention, attention. Nous arrivons maintenant au Super Banco. Ah, ça existe encore. La personne qui gagnera le Super Banco, parce qu'on joue plus par équipe. Hein. La personne qui gagnera le Super Banco aura gagné la partie Philippe. Carte de séjour. C'est carte de séjour. Carte de séjour. Oui. Non, il y a le méga banco. Vous n'avez pas gagné parce qu'après le super banco, il y a le méga banco. Voilà. Non. Philippe. Jean-Michel Jarre. On est bien peu de choses. L'attaché à classe. L'attaché à classe. Excusez-moi, Natacha, elle a pas dit très fort. Natacha, elle a dit Natacha. You told Natacha. Là. Natacha, ça compte, hein. Bah alors, je suis désolé, elle a gagné. Non, c'est elle. Non, 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 c'est pas Riquier. Alors, je veux pas être mauvais joueur, mais peut-être. Ce que je vous disais, c'est que je voulais faire partie un petit peu du groupe, alors je voulais dire quelque chose, quoi. Je me sens un peu perdue, moi, la petite anglaise. Non, parce qu'après le méga banco, il y a l'ultra banco. Philippe, mais le monde devient fou. Carlos. Non. Madness. Sophie, that's for you. He's English. He's English. Serge Gainsbourg. English. Sons. Madness. Oui, oui. Ouais. Ouais. Absolument, vous avez gagné. Oui, oui, c'est vrai. Bravo, Michael Youn, bravo. Oh, oui, oui, oui. Voilà. Et voilà, c'était Tout le monde en parle, oui. L'émission qui nous fait coucher bien tard. Avec Gilbert Thiel, On ne réveille pas un juge qui dort. Entretien avec Daniel Carton. C'est publié chez Fayard. Pierre Perret, l'album s'appelle Celui-là et le bouquin s'appelle Le Parler des métiers chez Robert Laffont. Michael Youn, son one-man show Plus qu'à poil, en tournée du 6 au 9 novembre à Grenoble, du 12 au 16 à Tours. Rencontre du 19 au 23 à Marseille. Et oui, du 25 au 29, tu vas à Lille. Et oui, après tu vas à Lyon du 16 au 20 décembre. Après tu vas à Avignon. Et après, le 7 janvier, il y a La Cigale. À partir du 7 janvier, Michael Youn, jusqu'à poil. Yagel Didier, merci Yagel. Les conversations avec la reine, c'est publié chez Robert Laffont. Jacques Vergès, dictionnaire amoureux de la justice, c'est publié chez Plomb. Isabelle Mergaux, Laurent Ruquier, la presse est unanime de Laurent Ruquier, avec Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Raphaël Mesrahi, Gérard Miller, Claude Sarraute. C'est au théâtre des variétés, allez-y. Sophie Elise Bextor. Ouais. L'album s'appelle Red My Lips et le single s'appelle Get Over You. Et n'oubliez pas le CD de Reporters sans frontières qui s'appelle Dignity. Au revoir. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Rendez-vous samedi prochain. Ouais. Satisfaction in me. A little more wine, a little less money, a little less wine, a little more fun. Oh, you're not a little less.
I got blisters on my fingers!